Je connais que dalle sur Arma 3. Ah, vous avez kiffé. Warning, Ice Require Ace Combat RHS Safe. Adversion or higher, you have none. J'ai pas... C'est bon ça, c'est pas grave? Je sais pas s'il est sur le live encore. C'est tellement compliqué qu'il faut faire pour jouer Arma 3. Mais on s'en fout en vrai, c'est cool d'avoir un truc. Après, on fait un tuto et en avant, tu sais. Respawn. C'est bon pour toi, Surino? Ah ouais. Oh, je zoome. Oh, j'ai toujours 100 FPS, quoi. Oh ouais. Oh ouais. Oh, le serveur, il est bien, là. Ah, on va monter à 150 joueurs dessus. Moi, je veux un serveur de fils de pute. Là, ça tourne bien. En vrai. C'est fluide, hein. Non ? Quoi, ces graphismes de PS2, la MDR? Mais baisse ta mère, toi, PS2. Sergent. Oui, mon lieutenant. Mon capitaine, dorénavant, sergent. Mon lieutenant, enfin, mon capitaine, vous n'avez toujours que 2 barres pour moi. Oui. Ce qui fait de vous un lieutenant, mon lieutenant. Et non, lieutenant, c'est là-bas. 2 barres. Lieutenant, 3 barres, capitaine. Oui, mais disons que c'est très américanisé ici. Oui, mais c'est le même système. Est-ce que vous avez vu sur mon épaule droite? Ok. Votre épaule droite? Ah oui, c'est marrant. Voyez... Il n'y a rien du tout. Ah bon? Bah vous l'avez, hein, sachez-le. Ah, c'est incroyable. Bah vous pouvez aller voir vos hommes et toujours la longue portée sur la 62. Et on va faire le briefing après. Ouais, faut que je prenne une radio, mon capitaine. Capitaine, mon cul, là. Salut, les fiottes. On va apparaître profil. Salut. Oui, non, mais faut que tu quittes. Que tu... Ah, ouais, 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 bah, tout à l'heure. Allez, bonjour. On rentre. Allez me chercher tout le monde, là. Moi aussi, mon capitaine. Mon capitaine. Bon, je vais remettre mon casque, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Ah, yeah. C'est clair. Oh, mon capitaine. C'est le capitaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On se met où? Petite question, Ryuk. Au milieu, là. C'est ça que vous avez un grade bizarre. Ryuk, petite question. Comment je sors le trépied? Il me semble que le trépied, c'est quand t'es... Bon, vas-y, allonge-toi. Je pense que vous avez mal lu. C'est le muscle, c'est. Ah, ok, super. C'est quoi la radio à prendre, là? Merci. Allô. La longue portée, vous l'avez déjà, sergent. Faut aller dans la courte portée et prendre... Ouais. Là, je vais vous dire ça tout de suite. La PRC-152, non? Oui, c'est ça, mais la verte. Ouais, ah, ok. On va désactiver la troisième vue. Ok, super. Oh là là, quelle tête de chips, lui. Torino, tu m'entends? Oui. Est-ce que vos tenues vous conviennent? Il est carapé, là, il veut pas venir. Qu'est-ce qu'elle a à la bouche, là? Ah ouais, mais j'avais pas vu, c'est lieutenant Mouche. C'est lieutenant Mouche. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, c'est bon. User joined your channel. Vous allez vous dépêcher de me faire un bon. User joined your channel. Oui, mon général. User left your channel. Général. Oh, mon capitaine. Putain, je me trompe à chaque fois. C'est ouf. Putain, c'est une autre, tu m'entends? Con comme ça. Oui. Attends, tu peux venir dans une zone, s'il te plaît? Hein? User joined your channel. Scarabée, pourquoi? T'as qu'à baf? Scarabée, tu. Ah non, c'est quasi. Il est où, Scarabée? Donc, comment tu fais là, le... Il est là. Ok. Sakabaf? Le geste. Est-ce que tu m'entends, Sakabaf? Ah, c'est celui-là? Ah, c'est Sakabaf. Oui, je vais l'appeler Scarabée. Quel geste?
c'est moi, il arrive. Salut. Bon allez, on rend les gars. Si on pourquoi ça marche pas ce truc là? Captain, c'est normal, il arrive. Ok, pas de soucis. Avec caporal. Viens avec moi et mets-toi ici. Ouais, on va ensemble. Il faut faire au détail. Ah bon? Vous voulez, on a tout le monde, caporal. Bah, normalement, vous avez attends, tout le monde, caporal. Les bouchons comme ça, je vous entends pas. Ouais, non, mais là, juste hors RP pour le rappel des. Pour que tout le monde soit sur le pied d'égalité niveau stuff et tout. Attends. C'est quelle touche déjà pour mettre son endroit? Normalement, ouais, il y a tout le monde. Ok. On va faire juste voir si tout le monde a bien la morphine adaptée, les bandages adaptés, si niveau munitions ça va. Histoire que, bon, on fait une mission. Voilà quoi. Vu que c'est au milieu là-bas. Machin. Oh là, bon, on va le porter, c'est la gueule. Vous pouvez leur expliquer qu'on ne fait pas de salut avec un casque militaire. Ouais, je dirais même. C'est... On fait avec ce qu'on a. Ouais, je sais, bah déjà hier je vous ai mis un cuisinier, je fais avec ce que j'ai. Ouais, bah. Mais celui-là, t'auras pas besoin de l'emporter normalement. Vu qu'on a Six qui gère les coms avec Crossroad, enfin avec. Avec le. Donc vas-y, va rejoindre les autres. Channel switched. Channel switched. Et je prends un sac quand même. Non, non, je l'ai pas. T'as plus qu'une fois. What? Quel est ton rôle sur Rhino? Je l'ai pas dans. Voilà. Quel est ton rôle? Fusillé, mais ça va. Fusillé, bah non, c'est bon. Donc tu peux aller ranger. Vas-y, va te mettre en ligne avec les autres. On a qui d'autre là-bas? C'est qui là? Zakabaf. Ah, vas-y, viens. Oui. Vas-y, va te mettre en ligne avec les autres et double contrôle pour baisser ton arme. Oh putain, ouais, les gars, courez vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Oh putain. T'es blessé? Voilà. Bon, allez les gars, en ligne, en ligne, en ligne. On se met en ligne. Ouais. Il y a besoin de rappeler des règles. Visiblement, ouais. Je peux pas. Allez, mettez-vous en ligne. C'est avant la mission, ça. Ça cabaf. Vas-y, allez. Vas-y. On se remet. C'est rien. Ça cabaf. Allez, sergent. Oui, vous avez un nouveau caporal, le caporal KSE et le caporal chef Grumpy en tant que caporal chef. Bon, les gars en face de moi, ouvrez votre inventaire avec la touche I. Oui. Grumpy, sais-tu me dire si t'as bien 2 morphines et 5 bandages, peu importe le type de bandage? Ok, mon lieutenant. C'est quoi le topo là? Tu fais quoi là, tu les briefs, tu les regroupes? Ouais, check-up de l'équipement médical plus. Ok. Et mon lieutenant derrière, vous faites quoi? Vous nous faites un topo de la situation? C'est bon. Je vais vous faire un topo de la situation à vous puis vous faire. Est-ce que c'est bon? 2 morphines, 5 bandages, peu importe le type de bandage. Ok, incroyable. Alors, une morphine et une bande compressive. Ok, tu vas à l'arsenal, tu te rajoutes 4 bandes compressives et un injecteur de morphine. Testy, même chose. Négatif. J'ai une bande de compresse et un pansement. Eh bah, même chose. Allez, vas-y. Suzy. Ouais. T'as bien tout. Ouais. Normalement, Ryuk, t'as bien tout aussi. Et Narga, t'as bien tout aussi. Ouais, bah, vas-y. 5 en trop. Vous allez un peu plus loin, caporal, vous êtes entre. 6 et 10 chargeurs. Putain, gueule comme pas possible. Quoi? Du coup, si vous ouvrez votre carte. Hey, vous voulez pas aller un peu plus loin là? On s'entend plus là. Chargeurs, c'est pas possible, on a même pas de sac, tu peux pas porter 10 chargeurs. Hey! Oui, mais non, mais. Partez plus loin. On a pas de sac. Ah, ok. Ouais. Partez plus loin. Mais. Oh, mais il fait exprès. Ouais, ça va être difficile, sergent. Je crois que ce sort pour vous. Non mais c'est quoi ces mecs là que vous m'avez foutu là? Ils ont jamais vu le combat, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les nouvelles recrues qu'on nous a envoyées. Hein. Et lui là, à droite là? Là vous avez un lieutenant et ils sont aspirants. Et l'autre avec les grandes oreilles? Son aspirant. Ok. Du coup sergent, pour le topo, longue portée 62 comme d'habitude. Ouais, bougez pas. Bon, maintenant. J'ai un petit problème de. J'ai totalement oublié. Ah oui, oui, ouais, oui. Pensez fort à vos touches Alt P pour ouvrir la longue portée. Hein.
Incroyable. Du coup, 62 ? 62, comme d'habitude, sergent. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit. Ok, ok, menu. on est bon. Ouais. On est bon. Parfait, on va faire un petit test. Test radio. Là, négatif, je vous ai pas entendu dans la radio, là, je crois pas. Test radio. Fort et clair. Voilà, parfait. Et pour vos coups de portée, je vous laisserai faire. Et ça, ça sera avec, vous savez, vos touches sur cette petite radio, CTRL P. Du coup, je vais laisser ouvrir votre. Ouais, laissez-moi, laissez-moi deux petites secondes que je le fasse maintenant, là, avant de rejoindre les autres énergumènes. Je vous conseille 32. Ouais, ouais, on va pas. Ouais, ok. Sur la petite touche après. Bon, on est bon. Voilà. Alors, du coup, je vais vous laisser ouvrir votre carte, sergent. Ouais. Alors, comme vous pouvez le constater, la NAPA a bien réussi à prendre la centrale. Après des discussions avec la NAPA, ils auraient entendu des communications russes. Donc on a bien l'impression que la Turquie se serait alliée avec les Russes pour prendre possession de cette île. Et apparemment, d'après les communications et nos traducteurs, ça serait pour faire un camp de lanceurs de missiles courte portée. Apparemment, les Russes souhaiteraient pouvoir agrandir et bloquer l'entrée de l'OTAN trop facile pour en venant par cette île. Voilà. Donc nous, on est là pour aider et contrer ça. Il faut savoir que les Français et l'OTAN nous aident, mais furtivement sur notre mission. Du coup, comme vous pouvez constater, est-ce que vous voyez le point ZA Lima ? Ouais, vu. Très bien, vous allez être héliporté sur cette position par les pilotes de la latte française sur cette zone. Ils vont vous poser, vous devrez descendre et ensuite votre objectif c'est d'aller au niveau du point d'interrogation qu'il y a au niveau de Telos. On ne sait pas trop ce qu'il y a, il faudra me faire un site rep quand vous y serez pour savoir ce qui se passe. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à voir et on n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Ensuite, arrivé là-bas, vous aurez la possibilité, vous aurez l'ordre d'aller sur le point armé. Je ne sais pas si vous voyez. Juste un peu un camp militaire, tout simplement. Juste un peu plus bas de Telos. Oui, oui. Signalé d'un point rouge. Affirmatif, juste ici. Bien pris. Et de tenir ce point-ci. Apparemment, ça serait un camp militaire russe qui serait sur place. Et donc du coup, il faut vraiment les déloger pour qu'on puisse continuer à avancer. Pour la partie NAPA, les NAPA vont essayer de reprendre leur aéroport pour éviter le flux continu d'arrivée d'armement des Russes. Et donc leur possibilité de devenir de plus en plus croissant et plus en plus fort sur le côté armement. Ensuite, on sait qu'il y a des blindés ennemis sur place. Je vous conseille donc d'avoir des AT à disposition de votre unité. Vous aurez également l'armée française qui va vous aider en avançant car ils vont arriver aux ZA Zulu pour eux et également avec déjà des personnes qui sont en poste comme Charlie Echo et Foxtrot qui sont l'armée française qui ont dormi sur place et qui ont fait un camp en attendant pour continuer à avancer. Ils ont déjà des blindés, ils seront là pour vous épauler mais vous votre but c'est vraiment de me donner des informations sur Telos et de reprendre ce camp armé. C'est bon pour vous, sergent. Ouais, c'est bon. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, préparez vos hommes et moi, je prépare la latte pour vous. User left your channel. Vous avez des questions ? Non, négatif. Je suis en train de regarder le. Je suis en train de regarder le. Contrôle tab. La carte, tir, justement. C'est contrôle tab et tu te mets en voie faible. Donc, ouais, quand c'est marqué en faible, en fait, vous avez le droit de rétorquer. Il n'y aurait pas de. C'est pour éviter la distance avec laquelle vous entendez quand vous gênez les gars au-dessus. Ok, ça marche. Bien pris, on est bon. Pas de risque d'IM, mais risque voilà, de blinder ennemi. C'est bon pour moi. Non, j'étais en train de réfléchir comment on allait faire ça, mais c'est parfait. Ok, mon lieutenant, c'est bon. Très bien, je vous laisse aller voir ça avec vos hommes, et moi je vais préparer votre alat. Ok, donc la mission, c'est
Rendre compte de sur Telos et prendre la base militaire et la défendre. Affirmatif. Parfait. Merci, on va attendre pas très loin de vous, de toute façon, des bruits d'artillerie de la Napa qui reprend leur. Qui reprennent leur aéroport. Hein. Ok, c'est bon pour moi. Très bien. Bah écoutez, bonne chance à vous et rendez-moi compte. Alerte de capitaine, parler. Ici alerte pour capitaine, j'écoute. Est-ce que vos hélicoptères sont prêts pour le dépôt des hommes en ZA? Il fait quoi l'autre à dormir, ce fils de pute là? Ils sont prêts. Eh bien c'est parfait, vous pouvez me rejoindre là-haut pour un dégredit. Hey, debout sac à merde là, on va partir là. Bon let's go, briefing. Attendez, il reste des personnes là-bas. Bon, on va attendre alors, c'est génial. Tout le monde est équipé là ? Affirmatif. Affirmatif. Ouais, ça va, vous pouvez juste me répondre oui. Hein. Oui. Ok. Oui. Bon, on a un TP. Est-ce qu'on a de... Personne n'a un AT ou un truc comme ça ? Si, Afi, derrière le monsieur là-bas. Comment ça, derrière le monsieur là-bas ? Bon, faut pas déconner non plus. Qui ça ? Ok, il vient avec nous, lui, là, là ? Afi. Sergent de capitaine parler, j'ai une information importante à vous transmettre. Ouais, 6-4, parler. Pour information sur votre carte, vous pourrez aussi avoir désigné une AA. Vous aurez pour objectif aussi de le détruire, qui est juste sur le dessus de Tyros. Tant que cette AA n'est pas détruite, nous ne pourrons pas envoyer Bravo. Donc nous aurons besoin de votre désignature laser pour qu'on puisse le détruire via artillerie. Ok, bien pris, vu. Terminé. Ok, du coup il me faut un désignateur laser aussi. Merde, je suis pas sûr. On a tout le matos là de base là dans le sac qu'ils m'ont filé là. Je suis arrivé à l'instant là. Oui, normalement vous avez un désignateur aussi, tout le monde en a. Ok, on a de la morphine. Affi. Oh Dieu, j'ai pas réussi à dormir dans le putain d'avion là de merde là. Qui est-ce qui est là depuis longtemps là? Moi. Présent, chef. Présent. Ah ouais. Et c'est quoi ce bordel du coup là? Les Turcs? Les Turcs aidés par les Russes? Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas ces fils de pute, ils sont pas dans l'OTAN? Techniquement, mais bon, vous savez comment ils sont, hein. Des vraies têtes de Turcs, c'est ça que tu veux dire? Incroyable. Du coup, vous avez perdu quelque chose? Négatif. Non, je... Ok. Va falloir faire quelque chose pour ces putains de lapins, là, non ? Voyez un lapin où, vous ? Dans la direction de mon bras, mon capitaine. Hein. Ah bah... Ouais. Le truc fait, avec ouais. Des grandes... Bon, très probablement, le truc qui se fout de notre gueule, en plus, ce fils de pute. Hein. Le truc... Bon, chef. Oui, d'ailleurs, sergent, j'ai une question. Magique. Oui. Vous pouvez me trouver la personne qui a chié sur mon lit, s'il vous plaît? Très bien, merci. Bien pris, mon capitaine. Eh bien, je vais investiguer, bien évidemment. C'est peut-être le lapin, hein? Ok. Du coup, tout le monde est là ou quoi? Ah putain, et on va encore se taper... Ah, vache. Il fait quoi, là? Hé hey, Corben Dallas, là. Hé hey. Hey, vous faites quoi, les deux débiles, là? On est en train de réorganiser l'équipement de notre copain, là, parce qu'il n'avait pas ce qui était adapté. Bah ouais, carrément, ouais. L'autre, il a pris... Qui c'est qui parle, là? Hé, hey, je sais pas. Il y a encore...
Éteins ton téléphone. Il y a hein. toujours Skype, je sais. Ouais, désolé, mais il y a chef. Toujours ton Skype avec l'autre pétasse derrière là, il nous casse les couilles, hein, franchement. Je sais, chef, moi aussi, chef. Attends, la vache. Du coup, toujours le lapin, mon capitaine. Hein. Comment? Il y a toujours le lapin. Hein. Ouais, laissez-le. On fera manger plus tard avec. Ok. Non, il y a un Eric. Oui, ah, c'est Milan Eric, c'est la même chose. Ah, je savais pas, moi. Excuse-moi, je suis pas soldat. Mais, gros, comment ça, t'es pas soldat, fils de pute, là? On a que ça, pas soldat dans je veux dire, ouais. On est obligé de prendre ça pour le moment. Comment ça, mon ref? Alors, du coup, bon, messieurs, comme vous le savez, ici, je ne sais pas du tout quel est votre background. Je ne sais pas d'où vous venez, ok? On ne se connaît pas pour la plupart. J'en connais un ou deux d'entre vous. Néanmoins, du coup, on se retrouve sur cette île, perdue en plein milieu de la Grèce. Pour Dieu sait quelle raison, mis à part la raison qu'on nous a expliqué que visiblement les Turcs ont envie de reprendre une île grecque, bien aidée par des Russes qui eux ont envie de toute façon d'utiliser l'île comme ils l'ont fait avec les Ukrainiens, à savoir pour se rapprocher et pour casser les couilles de l'OTAN, disons-le clairement comme ça. Ok, on se retrouve donc du coup avec sur une île grecque avec des Turcs qui vont être déguisés en Russes ou l'inverse. Vraiment, on dirait le début d'une vieille blague de Jean-Marie Bigard, quoi. Ok. Oh, ta règle d'ISTC, là. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, mon chef. Oh là 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 là, y'a rien qui va, là. Y'a rien qui va, mon chef. J'ai stressé. Ouais, t'as stressé, ouais. Et sur le terrain, comment ça va se passer, là? Moi, je suis une machine de guerre, hein. Ouais, bah une machine de guerre qui va partir devant tout le monde, hein. Et lui, je le veux pas dans le dos d'un... Je suis bon, médic. Bref. Hein? Je suis médic, je peux pas être devant. Oh merde. Tu veux pas laisser ton arme, là? Ok. Comment? Bon, du coup, je sais pas ce qu'on a en matos. Ils vous ont indiqué où était le matos, là, ceux qui connaissent, là? C'est où? L'équipement. Eh, 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 oh, 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 eh, on se réveille là! Le truc avec 4 roues et ou 5 roues, 6 roues, bande de fils de pute, c'est où? Ah, le véhicule, chef. C'est un véhicule, ouais, c'est ça, ouais. Ah, voilà. Bah, pas d'équipement, chef. Oui? Oui? Bah, on n'a pas d'infos. On sait juste que les pilotes doivent venir nous chercher, mais on n'a pas d'infos. Pour information, vous partez en hélicoptère, c'est devant la base, sergent. L'autre, et il me casse les couilles, ce mec. C'est le pire des capitaines. Il arrête pas de... Il nous entend, ce connard. Il nous entend. La vraie raison pour laquelle il veut pas qu'on tue les lapins, c'est parce qu'à mon avis, ça doit être un ancien lapin, lui, réincarné, ce connard. Et il nous entend. Regarde-le, il fait semblant d'avoir perdu quelque chose. Ouais. Il fait que nous écouter. Je vais rechier dans son lit, j'en ai rien à foutre. Il a perdu sa virginité, il pense qu'il va la retrouver par terre. Qu'est-ce que t'as à pointer? Je fais pas exprès. Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Contrôle non bien deux ouais, fois. Bah, moi savoir, mais moi je toujours sais pas mieux vaut deux fois qu'une hein, dans le contrôle. Ok, on part en hélicoptère. Bah super, il nous a pas dit où est-ce qu'il fallait. Bon, on s'en fout. Il est où l'héliport? Tu sais toi? Juste au nord là, monsieur. Azimut 40. Monsieur. Oh. Eh les gars, okay. mais vous faisiez quoi avant là? De vous engager? Oui, marque, vous étiez youtubeur ou quoi? On a récupéré tous les boulangers et les fermiers de la ville. J'étais livreur Uber Eats. Non, je veux pas savoir, mais bon, quand même, il y a des limites là. Non, mais je peux vous ouvrir la marche. Il est caporal celui-là, moi, bravo. Cool. Ok, bon, let's go, vas-y, fais-nous voir ça là. Bon, bah allez, c'est parti. Putain, caporal, il essaie du machu. Je vous fais le brief à côté du matos. Merci. Oh le cap. Caramelito, t'es un monstre. Eh, si vous êtes pas content, vous avez qu'à l'emmener avec vous à l'hélicoptère. Hein. Reçu, caporal. Ah. Capo schlag, ouais. On a perdu le chef, non? Je suis là. T'inquiète, ça va aller.
Oh, t'as 2 minutes sans moi, c'est bon, il a peur, quoi. Putain, sympa, ça, là. On se met bien, ici. Bon, du coup, le briefing. Ouvrez la map, là. Ouvrez-moi ça. Hein ? Non, mais vous... Ouais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as, toi ? Oh, non, oh là là ! J'ai cru que vous alliez vous manger l'hélico, le chef. Vous gardiez pas où vous alliez. Mais tu te fous de ma gueule ? T'as vraiment cru que là, j'avais pas vu l'hélicoptère ? Vous savez, avec l'âge... Oh ! Ça tient pas à sa vie, celui-là. Oh la vache. C'est beau aujourd'hui, chef. Je vais faire abstraction de cette remarque désobligeante, ok ? La prochaine fois, c'est cours martial. Je me suis bien fait comprendre ? Oui, chef. Ok. Checker la carte, là. Ok. Arrêtez de dessiner avec les désignateurs laser. Commencez pas à me casser les couilles, là, putain. Bon, du coup, on est sur la FOB de Pierre Gosse. Ça, c'est bon. Les petits points, là. Ça, c'est le Uber, ok ? Sauf que le Uber, aujourd'hui, vous l'avez vu, il est derrière moi et c'est l'hélico. Ils ont upgradé les super pubs, donc vous vous mettez bien ici. Bref, du coup, on tape sur Zeda Lima. Ok, exactement ici. En 170, 100, en 17-18 là. Sur le point 25. Bref, on tape Zeda Lima. Visiblement, le but du jeu, rendre compte sur ce qui se passe au niveau de Telos. D'accord ? On ne sait absolument pas ce qui se passe au niveau de Telos. Quand je dis « on », c'est bien évidemment le capitaine et son autisme. Bon, voilà, il est débile, donc de toute façon... Non, mais ça sert à rien de rigoler, c'est vrai. On le sait maintenant. Donc, lui, voilà. Donc, il a mis un point d'interrogation, il ne savait pas. Donc, il va falloir qu'on aille regarder ce qui se passe là-bas et qu'on investigue. AA, du coup, c'est pas les alcooliques anonymes. Pour ceux d'entre vous qui m'appellent mon chef... C'est bien anti-aérien, ok ? D'accord, c'est pas une réunion de tous les Lillois du coin, du coup. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'il va falloir taper, ok ? C'est le seul truc dont on est à peu près sûr à l'heure actuelle. Qu'il y aurait visiblement des batteries anti-aériennes qui se situeraient au nord de Telos. Ce qui se passe dans Telos, on ne sait pas, donc on va rendre compte, ok ? Une fois qu'on aura rendu compte... Ouais, mais laisse-moi finir en fait, hein, plutôt que de mettre des petits bien pris là en plein milieu de la phrase. Tu m'as coupé dans mon élan, tu vois ? J'étais parti pourtant. Bref, une fois que. Ouais, il m'a coupé ce fils de pute là. Ok, bon alors une fois qu'on a rendu compte de ce qui se passait sur Telos, on tape plein sud, direction l'espèce de fortification digne de Vauban là. Ok ? Tac, tac, tac. Ça, on le prend en vue de tenir. C'est tout. En vue de le tenir. Le fort. C'est tout ce que je sais à l'heure actuelle. J'ai pas plus d'informations. Donc, on va faire gaffe. On va faire dèche. Hein, Et puis, voilà. J'ai compris. Du coup, les deux petits... qui est-ce qui a pris de l'anti... qui est-ce qui a pris de... Qui est-ce qui a pris de l'anti-véhicule, là ? C'est moi, chef. C'est quoi, c'est un javelin ? C'est quoi cette merde ? Ouais, apparemment. Ouais. Ok, bon, c'est de un, t'as bien compris, ça c'est pour toi, ça. J'ai compris. Ok. Laisse-moi réfléchir, je pense qu'on est bon. Ok, comme d'habitude, si ça siffle, on a le droit de riposter. En sachant que du coup, ils vont nous prendre pour des cons de toute façon. Voilà quoi. Bah oui, ils vont nous prendre pour des cons parce que forcément ils vont jouer sur les deux côté de venir on est turc alors qu'au final bon on est de l'OTAN alors qu'au final bon ils sucent les Russes par derrière quoi. Non mais c'est vrai, c'est important de savoir dans quelle merde et dans quel contexte on arrive quoi. Ok, même si je sais que bon la géopolitique pour vous ça... Ah, laissez tomber. Ok, vous êtes cons comme des bites. Ok, il y a des questions. Négatif. Eh ben c'est incroyable. Négatif. Siska, t'as PC. Siska, t'as PC. Écoute. Non, on est prêt pour le départ. Terminé. Très bien, vous pouvez monter dans l'hélicoptère de la LAT. Normalement, il devrait y avoir le lieutenant Yayo qui devrait vous emmener. Ah, mais on l'attend. Vous étiez là depuis tout à l'heure, là.
Ah bah ouais, on est là, on vous attend. Votre ah bah beurre est là. Incroyable, ça va? Super, et vous? Eh ça... Eh, allez-y, montez là! Ah, il me regarde en... Oh là là... Ouais, bah c'est cool. C'est... Putain, ils ont upgrade les super pumas, là. 6-4, parlez. Pour information, pour la AA, vous pouvez faire une désignation laser, nous avons de l'artillerie pour la détruire. Alors, je vois des parachutes, quel est le muscle? Bien pris, mon capitaine. J'ai vraiment l'impression parfois, mon capitaine, que vous m'écoutez. Voilà, terminé. Pour que tu puisses sauter en parachute. Du coup, il est vrai que plutôt que d'utiliser le javelin, on a les désignateurs laser pour la AA, ok? Rappelez-le-moi là-bas. Je pense que ce sera mieux, effectivement. Gardons à la limite le javelin pour nos fesses. On est bon ou pas? Compris. Ok, parfait. Et tout le monde a un désignateur? Ok. Mais qu'est-ce qui ferme la porte, ce fils de pute, là? Ouvre la porte, fils de pute, là! Ah ouais, je préfère. Bah, c'est parti. Ok, c'est parti. Laisse ouvert, il fait chaud. Okay. J'ai peur de l'hélico, les gars. Moi aussi. Allumage moteur. Ouh la vache. N'oubliez pas les bouchons, les gars. Ah oh, oui, il y a les bouchons. Comment on met les bouchons? Je sais que c'est pas comment mettre les bouchons, c'est pour contrôler la fenêtre derrière vous. Ouais. Ces mecs de la latte, ils me cassent les couilles là, ils se la racontent tellement là, sérieusement. L'autre il a fait une fac de maths hier. Ah mais qui va devoir aller au front, c'est nous. Ouais.
vous pouvez descendre. C'est arrivé. Affirmatif, on est bon. Ok, c'est parti. Bonne chance. Eagle 02 pour PC. Allez, écoute. Pour information, nous venons de déposer Alpha sur Z Alima RTB. Bien pris, autorisation d'atterrir une fois arrivé. Ok, let's go là, on bouge pas, on reste pas en plein milieu là. Let's go dans la direction mon bras, le long des petits... du mini muret. Il y a des KSE, j'ouvre la marche. Go go. Ah, je sais plus comment on se baisse. Ah galt. Ah ouais, carrément. Tous les pilotes, ils font que qu'un vol à chaque fois chez nous. Quoi, il a tapé l'autre là? Ah si, je pense qu'il a tapé. Ah mais il est con comme un comme une merguez lui. Et j'ai heureusement que c'était pas avec nous. Ouais, heureusement. Ok, laissez-moi checker la map. Oh, fucking hell. Ah, Z Alima, il s'est un peu chié dessus l'autre, mais bon. Ouais, bon, ça ira. Ouais, mais il sort d'où lui? En route. Ok. Quoi? Wow. Hey. Ok. On a des bâtiments en face sur l'azimut 240. Ils sont renforcés, mais j'ai vu aucun signe d'activité. Pour le moment. Très peu de visuels. Ok, bien pris. Bah écoute, c'est exactement ce qu'on va essayer de taper là. Hey, le radio, on est bon pour tout le monde ou quoi? Canal 32 pour tout le monde. Affirmatif. Ok, top. Eh, on reste là pour le moment. Le TP, il est où là? Je suis là, chef. À votre droite. Derrière vous. Ok, bien pris. Mais c'est pas toi le TP. Non, TP, on n'a pas de vie. Tireur de précision. Narga, viens là. Ok, eh, Narga Gouga, viens avec moi. TP, ouais. Toi. Ok. AC. AT, AC. Je sais. Ok. Vu les deux arbres dans la direction de mon bras? Oui. Au top colline là, essaie d'aller va là-bas, ok, et essaie de rendre compte sur ce qui se passe de l'autre côté, et en particulier sur ce qui se passe du coup entre 260 et 320 quand tu seras en haut, ok. Donc ce qui se passe dans le prolongement de la... Je vois rien là-bas là. D'accord, dans le dos. Ok, pas vraiment dans ton dos, mais à tes 3 heures quand tu montes quoi. Ouais, exactement, ok. Comme accoudé. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, comme ça, voilà. Pour s'accouder. T'es good sur ta radio? Oui, c'est bon, ma radio. Il y en a un qui a sa radio en haut-parleur, là. Non, c'est bon. Hey, chat, comment est-ce qu'on se couche déjà? J'aimerais bien le mettre sur contrôle, mais j'ai peur de tout flinguer, quoi. Enfin... W pour se machiner, mais c'est vraiment pas clair leur truc quoi. Comment est-ce qu'on s'accroupit? C peut-être? Non? X pour s'accroupir? Ah ouais, ok, bon je vais le garder, mais bon c'est un peu de la merde quand même. Ok. Vous êtes des monstres. Personne niveau 260 dans la maison.
T'as dit quoi? Fuck. Une maison 286. Bien pris. Qu'est-ce que tu précolles? Monter au-dessus de la colline, c'est compliqué. Il y a des maisons en 250. Je pense que l'idéal, c'est aller dans la maison niveau 305. Pour avoir un bon visu sur la structure en 270. Et le reste, c'est que des plaines, donc normalement, on devra avoir le feu vert. Le feu vert. Ok, donc tu confirmes qu'on fait main courante à gauche en bas de la colline par laquelle tu viens de monter. Et on monte pas la colline, tu restes au top. Terminé. Ouais, à toi. Ça sera l'idéal. Parfait, en avant. Let's go les gars, tout le monde. Main courante à gauche, le en bas de la colline là. On laisse le TP au sommet de la colline. Et ça devrait le faire. Alright, let's go, allez, let's go, let's go. Ah, Payou, tu restes bien derrière. T'as le médic, on a besoin de toi. On a deux médics, hein. On a deux médics, on a le Rio qui est... Putain, c'est la souris. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah bah on a besoin de toi quand même. Putain, c'est con, faudrait définir les ordres de marche tout ça. Là. Le fait que le mitrailleur, là, il ouvre le feu, c'est pas... C'est pas quoi? Bah, c'est mieux que tu sois derrière, au cas où on se fait nous engager, comme on est la tête de colonne, que tu puisses prendre ligne et nous faire un appui-feu pour nous trancher, au cas où. Ouais, mais... Et si tu tombes, on perd une puissance de frappe, quoi. Surtout un mec comme toi, qui... Ok, on a deux bâtiments fatigués, Ouais, ok, on se pose. J'attends juste le chef. Je tape un coup de jumelle, là. Ouais, j'ai entendu, deux bâtiments. Ok, chef. Rien sur les toits. J'ai pas d'autres... pas plus de visuel. Chef. Ouais. Visuel face direction de mon bras à peu près 100 mètres visuel sur deux maisons azimut 222 et le TP les deux maisons dont tu parlais tout à l'heure là il y a de l'activité à l'intérieur à toi non pas d'activité ok bien pris bah tu les gardes en visu on va taper dessus terminé ok let's go on part dedans. Le TP visiblement dit qu'il n'y a pas d'activité. Il a une meilleure, il a un meilleur vantage point que nous là. Mmh. Ouais, c'est parti les gars. Okay, en avant Grumpy, tu connais les hommes. Hein. Tu connais tes... Il n'y a même pas trop devant. Essayez de rester, de pas rester en ligne, de vous mettre en quinconce au cas où, pour si le mec qui tire, qu'on soit pas tous alignés quoi. Ouais, formation V là. Ou en quinconce, ça suffit. Ouais, ok. Je me décale vers la droite. Ouais, je suis à ta gauche. Et à gauche, maison très ouverte, plusieurs pièces avec manque de visuel dessus. À droite, volet fermé, maison très fermée. On peut se mettre à couvert à droite. J'ai cette ligne là, t'en fais pas. Ce qu'il a devant, ouais, c'est sur une autre. Ah, sur une, ok. J'ai ta droite sur une. On a un anti-rien devant nous. Ma fille. De KSE à 6-4, on a le. Ouais, bien précisé derrière toi, t'inquiète. Ah, on passe. Top. Il y en a vraiment un. Eh, on va pas rester, on va pas rester comme des. Comme des. Croupier et je me mets derrière toi. Yes. Grumpy. Chef.
Oui, chef. Ok, essaye de faire un bond de l'autre côté de la route pour aller t'assurer qu'il n'y a personne dans le bâtiment qui a détruit là dans la direction de mon bras. Les trois autres là, vous faites le. Okay, KSU, Bitasti, Sakabaf, vous me faites main courante à gauche, vous tapez dans le bâtiment directement et on y va tous vrai. D'ailleurs. Bien pris. On tape derrière vous dans le bâtiment qui est juste en face de nous là. On prendra la vue directement avec. On fera la désignation laser à partir du haut des bâtiments. Vas-y, Surino, je te remplace. Eh, main courante à gauche, les amis, pas main courante à droite. Eh, main courante gauche, pas main courante droite. Là, de ce côté-là. Là, c'est à droite, chef. Bah non, c'est une main courante à gauche, du coup. Ok. Ah oui, moi, chef. Ok, oui. Autant pour moi, chef. T'inquiète. Et reste pour moi, chef. J'avance. Il y a un mec qui peut faire passer au chef que c'est rare. Ouais, c'est bon, j'entends. Je te cover avec lui. Mais... Ok. Il y a du matériel pour moi. Allié en face. Ok, on se parle, let's go, allez, on tape dedans là. Rez-de-chaussée clear, j'avance. Fais gaffe, il y a les deux autres bâtiments là. Ok, je m'avance dans l'escalier, j'ai besoin de renfort. Je monte avec toi. Ok, je vous couvre. Je reste excès, on continue de parler là. Clear, premier étage. Montez avec vous. Ok, clear. Clear, premier étage. On a du matériel là. Ok, matériel civil en haut. Ok, viens là. Et quelqu'un avec le désignateur laser là qui sait comment ça marche leur connerie là. Ouais, j'ai ce qu'il faut, chef. Nickel. C'est quoi, on est sûr que c'est un AA ça? Ouais, ZDSU. Un véhicule de type russe. Ok, bien vu, ouais. Oh, c'est vieux ça, dis donc. Ouais, mais ça fait très mal. Ok, j'ai pointeur laser sur la cible. Attends, bouge pas. Je rends compte. Vous avez fait bien ce qui peut venir des maisons en face, les gars. Aussi, ça peut être clair ça. Si y a un mec qui déboule de là, j'ai pas envie de prendre une tête. Bordel de fuck là, quelqu'un sait où on est? Oui, on est exactement. 169-174, vas-y, je suis con, excuse-moi. Ah, franchement, vous avez vraiment du matos de merde sur votre île là. Qu'est-ce que c'est que vous avez même pas du Garmin Fortrex là? Bon, ok, 169-174, what the fuck? On est bon, t'inquiète. Ouais, on est sur la route pas loin du point 47. C'est quoi les bâtiments qu'on voit là? On est sur la route pas loin du bois 47. Mais les bâtiments sur lesquels on est, ils sont pas matérialisés. Ça doit être de construction qui, oui, oui, t'as raison. Qui sont nouvelles quand même. Ouais, ça m'a pas l'air. Ouais, ça a pas de sens. Non. Ok, quelqu'un peut me l'ID le. C'est quoi cette merde là? C'est russe hein? Oui, c'est un ZSU 32 si me semble. Je sais bien que c'est ZSU mais je connais plus le chiffre ensuite. 6-4 à PC. PC, j'écoute parler. Nous avons en visu visiblement ce qui semblerait être un anti-aérien de type russe. ZSU 23-4 ou ZSU 30. Néanmoins, c'est clairement russe. Demandons autorisation de traité. Terminé. C'est ça, je crois que c'est 23-4. Autorisation accordée. Ok, let's go. Feu vert. Ok, cible marquée. 6-4 APC, 6-4 APC. PC, j'écoute. Cible marquée, terminé. Bien pris, l'artillerie se prépare et va tirer, garder le laser jusqu'à l'explosion. Tu gardes ton laser dessus hein? Oui, chef.
Faites dèche aux trois maisons là. On sait toujours pas ce qu'il y a dessus. On a visé dessus. Ouais, nickel, parfait. Ouais, donc c'est bien des... C'est bien du matos russe quand même. Fils de ouais, pute. De la guerre froide, mais ouais. Du matos russe quand même. Ouais, mais tu m'étonnes. Ça, c'est encore un coup des Russes, quoi. C'est... On vous aide, la Turquie, mais au final, on veut pas... On veut pas que vous vous froissiez avec vos potes de l'OTAN. Ah, ça va faire boum. Attends, hein. Ils sont foirés ou quoi? Alors, cible neutralisée, équipage au sol. 15 ans de PC parler. Véhicule hors d'état de service, monsieur. 6-4, parler. Est-ce que la cible a été neutralisée? Cible neutralisée... Affirmatif. Bien pris, terminé. Eh, y'a un PAX, y'a un PAX. Ok, c'est un déconducteur. Il a dû s'extirper avant que le missile chute. Il nous engage, il nous engage. À couvert, les gars. What? Et qu'est-ce qu'il fait, Jean-Claude, là? Il nous engage? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il nous tire dessus, mais... Ah, il est au sol, il est au sol. Vous le voyez? Afi, ouais. Azimut 262. LTP, tu peux le shooter? LTP est pas là. Attends, merde. T'es il est resté sur son point, lui? Ah, si. Faut croire, ouais. 6-4, ATP, 6-4, ATP, ça va? Tu te fais pas trop chier? Non, ça va. Il y a un joli feu. Ok, on a besoin de toi, position... 169, 174. Tu peux recoller sur nous? Terminé. J'arrive, je dépasse. Terminé. Le pack vient de crever. Eh, faites gaffe, alliés, alliés, entre azimut 80 et 140, le TPR vient vers nous. Comment ça, il vient de crever? Oui, le PAX nous a engagé. Pour information, là, a été détruite par Alpha. C'est un espèce terminé. D'assaut bizarre. Vous pouvez engager sur terrain, terminé. Course. Ouais, on n'est pas sûr qu'il soit mort. Hein. Ok, bon. Ouais. Derrière, c'est simple. Moi, il est inconscient. On fait un bond de l'autre côté de la route, les gars. Ah, ouais. On recolle avec le TP. Enfin, le TP recolle avec nous. Derrière, on tape les trois maisons. Il faut qu'on, faut qu'on bouge là. Bien pris, bien pris. Allez-y, gars. On avance, on va recoller l'autre équipe. Let's go. Viens. Décroche, poulet. Échec. Ok, excusez-moi. Oula, y'a quelqu'un qui joue à League of Legends ici en haut là, à l'étage ou quoi? Ok, let's go. Hey Grumpy. Grumpy. Grumpy, je pense que vous avez la cagoule. La cagoule, avec votre cagoule, j'entends rien du tout. C'est pas très grave. Ok, on va taper sur les trois prochaines maisons, ok? Let's go, on sort. C'est bien de sauter. Je prends le bouchon arrière, en avant. Let's go, on sort, on tape sur les trois prochaines maisons. Vas-y, me dis surtout pas, toi. Ok, je suis en place. On a dit c'est la 7ème compagnie ici. En place. Let's go, main courante à gauche et main courante à droite pour aller taper dans la première maison, les gars. Et pas de friendly fire à la con là, on continue de se parler, ok? Ok, les gars, passez. Let's okay, go, top. Je passe. Deuxième porte. Je rentre. One more salty fan. Clear. Sac à baffe, tu t'assures qu'il y a personne qui vient de derrière, c'est tout. Les autres, ça sert à rien. TP, reste ici, ça sert à rien, je passe. Je passe devant toi. La fille, clear.
Je reste ici. Allié. Compi, je te suis. Ça donne quoi dans la maison? Ok, RS au top. Ok. RS au rez-de-chaussée. Ok, let's go. Deuxième maison, en avant. Il y a encore une salle. Vas-y, rentre, Compi. Rentre. Venez, les gars, venez. Sergent de capitaine, parlez. Ok, redescend. Ouais, 6-4, parlez. Vous avez une équipe Foxtrot qui pourra vous appuyer, qui sont à vos arrières et qui sont prêts à avancer. User joined your channel. Bien pris. Terminé. Là-bas, il y a RS. T'es avec moi, Ryuk? Je suis avec toi. Ok, RS, vous êtes où là? Deuxième maison, ça tape dedans? RS, user left your channel. Ok, très bien. RS, rez-de-chaussée. Copie-toi, Big Tasty. Bon, apparemment, il y a un groupe Foxtrot qui pourra venir nous prêter main forte une fois qu'on commencera à arriver sur. Je suis au-dessus de toi, RS. Sur Telos. Moi aussi. Ok, ça avance. RS, rez-de-chaussée. On passe. On monte la cache escalier. Eh, derrière, recolle le TP là! Okay. TP! Cage escalier RS. Je vais aller chercher, chef. Non, négatif. Tout le monde sur la dernière maison. Je prends la deuxième pièce. Ok, pièce à droite RS. Ok, à gauche RS. Ok, maison clear. Ok, let's go. On rentre dedans, let's go. Nickel. À l'étage, ça donne quoi? L'étage est clear. La maison RS. Vas-y, bouge ton gros cul, Grumpy. Let's go, nickel. On a un bon vantage point. Eh, le TP, là, tu peux monter à l'étage. Tu peux te faire plaisir, hein. Je remplace. J'y vais. T'as une base militaire juste devant. Ah, ok, justement, la base militaire, c'est ce qu'on... Qu'est-ce que vous voyez, là? Il y a une tour dedans. Ok, mais pour le moment, ils m'ont demandé de savoir ce qui se passait au niveau de Telos, là. Telos, hein. La vue est fort obstruée, beaucoup d'arbres, de maisons qui cachent les rues, donc difficile à dire, chef. 6-4 APC. PC, j'écoute. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations par rapport à ce qui pourrait se trouver à Telos, là? Pour le moment, la seule chose que je peux vous dire, c'est que visiblement, ça a un peu bardé. On voit de la fumée de là où on est, mais pas plus. Terminé. Demandez autorisation de s'approcher. Terminé. Alors, mouvement en 233. En 233? Pour information, nous sachons juste qu'il y a eu des gros bombardements sur place de la Napa, mais apparemment il y aurait encore des personnes hostiles sur place. Autorisation d'approcher, attention à vous, terminez. J'ai un pack qui vient de rentrer dans une maison, ça transit. Afi, Minimi, il nous vise. C'est du russe, chef. Non, négatif, tant que ça siffle pas, tu tires pas. Vas-y, on va pas redéclencher un... Tu vois ce que je veux dire? Ok, il est la batteuse. Hein. Si ça siffle, tu le désingles là, Yuri. 342 mètres. Pas de casser les couilles. TP, t'as visu sur lui? Oui, je le garde en jeu. C'est quoi l'azimut? Ok, ça tire! APC. Nous trouvons actuellement en 167-174. Nous sommes pris à partie depuis Telos par ce qui semblerait être des Turcs ou des Russes. En tout cas, nous avons riposté. Terminé. C'est bien pris, terminé. Uniforme russe, armement russe. C'était de la PKM. Ouais, mais le bâtiment, il a pété là, j'ai l'impression, non? Négatif, c'est derrière que c'est pété. Là, il était dans un bâtiment construction. Ok, il y a un pax visuel à peu près direction de l'ombre à 100 mètres. Azimut, okay. 235. Véhicule. User joined your channel. À peu près 100 mètres, se déplaçant de la gauche vers la droite.
Pas de blessure de la gauche vers la droite. Pas de vis non plus. On a aussi un char qui semble être visiblement un T-60... je sais pas, T-72. En tout cas, char azimut 220. Environ 500-600 mètres. Je sais pas ce que c'est. Ah, je l'ai perdu. Bon, pour le moment, on reste là. Ça donne quoi, là? Vous l'avez traité, l'autre, là, Yuri, là? Négatif, négatif. Il s'est replié. Ah bah, les gars, visez mieux, quoi. Bon, va falloir qu'on approche. Je vois du contact ouais. Azimut 230 à l'intérieur de la ville. Putain, mais... Ok. Et attention, on a du civil dans Telos là. Les règles d'engagement civil, sont chef. Claires, hein. Quoi? C'était pas un civil, chef. Comment ça, c'était pas un civil? Il était en uniforme. Je veux dire qu'il y a encore des gens qui habitent dans Stodi. Non, 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 les règles d'engagement sont claires, les amis. Je vous rappelle qu'on est quand même. Si ça siffle, vous ripostez. Reçu, chef. Non, négatif, tu sais pas si c'est un chasseur ou. Faut qu'on bouge là, non? On peut se prendre de l'artillerie sur la gueule à tout moment, du coup. Non, négatif, ils ont pas d'artillerie. Ça tire. Oh, ça siffle. Ça tire. Vers azimut 220. Ouais, j'ai un tireur embusqué, je sais pas où il est. Oh, putain. Planquez-vous, les gars, planquez-vous. TP, t'as visu sur quelque chose? Non, aucun visu. Attends. Ça vient pas depuis le véhicule qu'on a pété, ça siffle juste là. Ça partait de là-bas, j'ai l'impression. Négatif, c'est... Non, négatif, ça vient de la ville, hein. Ok, ça sert à rien. User disconnected from your channel. LTP, c'est à toi de te faire plaisir. Ouais, j'ai aucun visuel. J'arrive pas à comprendre. Le problème, c'est que oui, ça sert à rien qu'on reste ici comme des bites en cirque. Le problème, c'est qu'on a strictement rien pour s'approcher, quoi. Chef. Ouais. Azimut plein sud. On peut descendre dans un dénivelé et peut-être se rapprocher au niveau de l'église. Je sais pas si vous voyez, il y a une église en Telos. Ouais, je vois ce que tu veux faire. 165, 172. Fais gaffe, c'est snipe ça. Ok, gauche de l'église, gauche de l'église. Un passe qui se déplace de la droite vers la gauche. Ouh, celle-là. Oh, non, ça siffle. C'est loin celle-là. Passer au-dessus de ta tête. Autorisation d'enlever les silencieux vu que notre position est compromise. Ouais, vas-y, go. Ouais. Mouvement 219. Vas-y, let's go. Qui est-ce qui reste là? Le TP, tu peux rester là à la limite? Je reste ici, ouais. Ouais, tu recolles avec nous derrière. Eh, on va pas le laisser tout seul. Putain, je me fais tirer dessus, nom de Dieu. Ça vient de la ville. Laisse. Laisse le TP tout seul, Grumpy. Décroche, descend. On descend. Le TP reste tout seul. À la limite, quelqu'un reste avec lui. Il reste avec lui. Vas-y, go. Qui a parlé là? Suzy. T'as du jumel? Tu vois l'église? T'es où là? T'es où toi? Tu vois l'église? Je suis en bas, il est en bas. Ok, monte à l'étage. Il y a un muret. Bâtiment construction, à l'étage. Azimut 234, il prend tireur. Ok, on a quelqu'un touché là, médic en bas. Alexis, okay. Alexis a pris une balle. 234. Reste là, t'es parfait ici. Ouais, bouge pas. Bâtiment construction. Ah le bâtard. Il est à 340 okay, mètres. Je passe dans ton. Rien grave. Ok. Ah putain. Ok, viens. User joined your channel. Touché. Kill confirmé. Ah. C'est bon, ça va mieux. Il en reste encore un. Grimpy, d'attache à l'état. Ok. Ça va mieux, quoi? Grumpy est mort. Quoi?
Et ça, qu'est-ce qui te fait marrer, fils de pute, là? Putain. Fais chier, pas grumpy, putain. Vous êtes sûr? Eh, hey, tu... Médic! On est deux sur lui. Enculé, tiens de merde. Affirmatif, on a aucun pouf. Chef, on peut pas acheter des smokes? Non, négatif, deux secondes. Chaque chose en son temps, là. Vous me faites une sûreté 360, là. Pour le moment, ça sert à rien de bouger, ok? Ils ont pas d'artillerie, ça sert à rien de faire les glands, ok? Ça donne quoi sur Grumpy, là? Je commence la réanimation. Merci Axel, t'es un monstre, merci pour les 8 mois. J'espère que vous passez un bon moment, les amis. Salut à tous. Ah, j'ai un audio avion. Ouais, pareil. Quoi? Je pense que c'est mort. Hein. Quand t'es en avion. Il la prend en pleine tête. Hein. C'est un... Il... Ok. 6K t'as PC, 6K t'as PC. PC, j'écoute. Sommes pris à partie par Telos, enfin depuis Telos, le sergent Grumpy et Delta, Charlie Delta, voilà, envoyez une lettre à sa bien-aimée, mais je crois que il en avait pas, en tout cas pas quand je suis allé la voir hier soir. Du coup, Grumpy, Delta, Charlie Delta, on va pousser sur Telos. Parce que là, pour le moment, on est à 200 mètres au nord-est de Telos et on peut pas faire grand-chose. Terminé. Après, est-ce que vous voulez un appui aérien sur Telos, un passage d'un avion en frappe missile gauche, mais j'aurais pas, je pourrais pas avoir visé sur la partie droite. Je peux vous suggérer un angle d'approche, chef? Négatif pour l'instant, on a absolument aucune cible à désigner, terminé. Okay. Ah non mais l'autre, le capitaine il est con comme une bite l'autre là. Ah non mais il a vraiment un QI d'asticot lui, sérieusement. C'est vraiment le poisson le moins oxygéné de l'aquarium lui, je te jure. Putain il est con comme un cactus. Je connaissais pas celle-là, merci chef. Ouais, le mec il me demande, il veut faire péter l'intégralité de la ville cet enculé quoi. Surtout qu'il y a une église chef dedans. C'est mais pas, ouais, mais ouais, ouais, mais ouais, mais il aime pas les Grecs, il aime pas les Grecs. Laisse tomber. On a de la smoke là ou quoi? Et je sais absolument pas comment est-ce qu'on... Non, chef, oui. Je peux vous soumettre un plan... Vas-y, arrête les... Je peux vous soumettre un truc, tu vas pas m'envoyer un faire-part, fils de pute. Peut-être que si, on sait pas. Bref, User joined your channel. Je proposais de passer au nord. Au nord, on a du dénivelé qui nous ramène dans un négatif. Pour rejoindre le bord de l'axe principal. Ensuite, arrivé à l'axe principal, on le longe jusqu'à arriver sur le point AA. On se rapprocherait de l'objectif en négatif, regarde. Attends, passe par là. Regardez là. Quoi? Oui, quoi? Où? Check dans la direction de mon bras, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Mais tu sais absolument pas. Telos, on sait absolument pas que s'il y a que Telos comme problématique quoi. Oui mais non, mais nous rapprocher par là, ça pourrait au moins nous permettre de bouger, de se rapprocher de l'objectif. Non, négatif. La prochaine fois que t'as une bonne idée comme ça, garde-la, pour toi. Ok? Pas de soucis, chef. Ok. Du coup, let's go, Rassan, le TP, tu restes à l'étage? Oui. Quelqu'un reste avec lui, c'était qui tout à l'heure qui s'était désigné là? Sozi. Ok, tu restes là. Vous essayez de nous donner des infos, essayez de prendre une info s'il vous plaît. Ouais, retour radio régulier. On va taper plein sud du coup. Il me faut de la smoke pour taper dans le bâtiment dans la direction de mon bras là. Hey, tout le monde rasso sur moi là, sauf les deux qui restent là. J'en ai 5. Okay, j'ai une fumée. Nickel, bah balance de la smoke et on va taper le bâtiment qui est juste en dans la direction de mon bras. On tape ce bâti, on tape l'autre, on fait un bond jusqu'au prochain. Dans la direction de mon bras qui est à 130 Lagrange, là, à 230 mètres un peu plus bas. Et derrière, on va remonter au niveau de la ligne de... Dans la direction de mon bras, la ligne de d'arbre, là. C'est le seul truc à peu près à couvert. Ok, qui? On a plus de batteuse. Ouais, super. Ok, incroyable. Qui passe en tête? J'ouvre la marche, chef. Let's go.
Tu passes de en avant, top. Incroyable les smokes, hein. Tac, de matos de merde, quoi. Ouais, on a pas le droit en fond de faveur non plus. Toujours à nous filer du vieux matos tout pourri, quoi. Ok, en position. Je suis derrière toi. Let's go, ça recolle là. Position. Tout le monde est là ? Sur motif. Let's go, même chose. On tape directement à la grange là. Bien quand fait. Tu veux. Je bouge. Top. J'y vais. Stop. Vas-y, ça passe derrière, ça passe derrière. Let's go, ça coule derrière, ça coule derrière. Go, go, ça coule derrière, les gars, continuez là. Vas-y, les gars. Vas-y, continuez, continuez. J'ouvre la marche, j'ouvre la marche. Ok, let's go. Je suis derrière. Go, décroche. Vas-y. Attention, bâtiment en tôle là. Prends la position. Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est parfait là. Ça part, non ? J'ai l'impression que ça parle, ouais. Chut. C'est quoi cet avion, là ? Audio. Eh, le gars qui a sa radio en haut-parleur, il peut la mettre dans ses écouteurs, s'il te plaît ? Tu vois quoi, là ? C'est sur Ino ou Big Tasty, je sais pas, mais... Qu'est-ce que tu vois, Big Tasty, là ? Je vois rien. Mais comment ça, tu vois rien, fils de pute, putain ? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, là ? Oh, ils continuent. Ils mettent les écouteurs. Comment qu'on fait ? Tu vois sur la radio là, t'as coupé l'épée, tu fais les deux en même temps. Eh hey, Big Tasty, sur Reno, sur Reno, vu le petit muret dans la direction de mon bras à 11h là ? Là, à 11h, à 15 mètres devant nous là, dans la direction de mon bras. Oui. Ah, finalement c'est bon. Ok, let's go, va dessus. Non, j'entends toujours, bah je sais pas qui c'est. Toujours. Attends, je reviens. Ça donne quoi à l'intérieur du bâtiment là ? Rien ? On peut rentrer dedans, deux qui rentrent dedans. Je suis. Go, qui suit ? Je suis, KSE, je suis. Let's go, je suis avec toi. Go, 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 l'autre il a... Pas trop loin ! Reviens. Putain, je lui demande de s'arrêter là-bas l'autre. Eh, let's go, on peut absolument pas rester là de toute façon, ça sert à rien. On s'avance à la maison. Ouais, let's go là. On tape sur la maison direct à midi. Go. Vas-y, je passe devant. Putain, dites-le quand on est les derniers là. Eh les gars, c'est quand même pas compliqué. D'avancer en tiroir là, dites-le quand on est les derniers, putain. Vas-y, je prends tes deux heures, tu peux avancer. Ouvre ta ligne. Tranquille. Ouvre. Juste. Ouvre et il est parti, ce trou du cul. Putain, vous êtes vraiment les pires, les gars, hein, franchement. Qui m'a fendu ces branleurs là ? Qu'est-ce que tu vois là à gauche ? Négatif. Qu'est-ce que tu vois à gauche ? Négatif, il me dit. You speak French ? You fils de pute ? J'ai compris, est-ce que tu vois à gauche ? Yeah, ouais, bah je suis content, et tu me réponds négatif, t'es aveugle, enculé ou quoi ? Focus là, wow. Vas-y, un qui me remplace là, je tape dans la maison. Je vous remplace. Vas-y. Go, tape dans la maison, Ryuk, go. J'ouvre. Ouais, vas-y. Clear. Oh, fuck.
Ah, c'est proche là. Siska, t'as PC, Siska, t'as PC. Sommes rentrés à l'intérieur de Telos par le sud, par l'est. Coordonnées actuelles 166, 171, terminé. Et après. Siska, t'as PC. Siska, t'as PC. PC, j'écoute. Demandons la marche à suivre sur Telos. Est-ce qu'on doit continuer l'investigation ou on doit taper directement sur la base militaire sur laquelle visiblement on a des audios de tir terminés. Par où est-ce qu'il serait proche de nous ? Côté gauche, allez directement sur la base militaire. Bien passé le milieu de la maison. Bien pris, terminé. Ok. J'aurais également fait un lien à me donner là sur la base militaire. Bien pris. Eh, vous avez le visu contact, sur l'église là ? À l'azimut 240. Faites gaffe, si ça tire pas. Non, il est en patrouille. User left your channel. Azimut 240, ok, bien pris. Il vient de passer derrière la maison, j'ai plus. Quelle maison ? Maison blanche, avec de la brique, azimut 250, toit orange. De la brique, enculé ! Y a pas un seul bâtiment avec de la brique, là ! Non, maison blanche, avec les arêtes en brique, toit orange. Avec les arêtes en granit ! Oui, pardon, en granit. Ok. Ah non, mais faut être... Oui, chef, les détails, je sais, désolé. Ah ouais, bah... C'était quoi ? Ça ressemblait à quoi ? Du coup, il revient vers vous. Okay, négatif. D'ailleurs, vous deux, là, vous recollez. Il arrive vers la nouvelle maison. On arrive, ça plaît. Attends, qui est-ce qui parlait, là ? Le TP, chef. Siska, t'as TP, Siska, t'as TP. Bisous sur la T. Oui. Comment ça, oui, enculé, là. Vous pouvez recoller vers nous, on est au niveau de l'église. Coordonnées exactes 166, 171. Si vous voulez, du coup, recoller vers nous, il va falloir faire un plein sud pour vous. Vous êtes où, là, à l'heure actuelle ? Ok, si vous voulez recoller avec nous, il va falloir faire exactement le même move que nous, à savoir faire un plein sud. Vous y trouverez une maison et un petit hangar en tôle. Et derrière, vous pouvez suivre la ligne d'arbres qui vous donnera du coup l'endroit exactement là où on se trouve à l'heure actuelle. Terminé. Lance-roquette. Très bien, on a visé. Quoi ? Il a son lance-roquette en main. Terminé. Quoi ? Il a son lance-roquette en main, qu'est-ce qu'il fait ce fusil ? De pute là. Je vois rien moi, j'ai pas... Ça tire ! Il tire. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas vers nous ! Il a tiré vers où lui ? Je sais pas, il a l'air bourré chef, il a tiré dans le ciel. C'est donc un russe. Direct. Ok, je décroche. Oh putain. L'inertie. Bon ok, on va pas rester là de toute façon comme des merdes là. 166. 171, s'il tire vers nous là, vous me le désinguez celui-là là. Non, 6-4 de PC parler. 6-4 parler. Vous avez Foxtrot qui arrive normalement par vos arrières et qui vont prendre place sur Telos parler.
Bien pris, sommes pris à partie par visiblement ce qui semble être un pax russe ou turc à l'intérieur de Telos. Nous, on va couler directement vers la military base du coup. Terminé. Contact bearing 66, 14,5 au minimum et deux véhicules blindés. 60 derrière nous et des véhicules. Négatif, négatif. Ce qui est derrière nous, c'est Foxtrot, du coup, c'est Ami. 6-4 ATP, 6-4 ATP. Oui. C'est pas oui, c'est parler déjà. Ok, du coup, en descendant plein sud, venant de l'est à l'heure actuelle, vous allez peut-être avoir la compagnie Foxtrot qui, que vous allez avoir en visu, qui vient avec véhicules et infanterie. Du coup, tout ce qui se passe à l'est, c'est allié, terminé. Très bien, terminé. Il recolle vers nous, lui, hein ? ...166, 171... TPA 64, on vous rejoint. Terminé. Ah super. Good. I think I'm here. Putain, l'autre il a fait joujou avec son lance-roquette, il s'est barré. Écoute-tu. TPA 6-4. Ouais. 6-4, parlez. On est dans la maison juste derrière vous. On a entendu les tirs, on n'a pas de visu. Terminé. Ah, c'est qui l'autre là? Ok, c'est Frenny ça. Ok, hey, let's go. Rasso sur moi. Ok, vu dans la direction de mon bras, la prochaine, le prochain hangar en tôle là. Ma fille. Ok, c'est là qu'on va. Et derrière la maison en briques, derrière ou en terre. Pareil, on continue de faire des bons les amis, dans la direction de mon bras. Le but du jeu, ça va être de taper la base militaire qui se situe à 250 mètres dans la direction de mon bras maintenant. Ok ? Compris. Let's go. Let's go, main courante à droite. Let's go. On se colle. Vas-y, tu peux y aller, go. Go, Tasty. Vas-y, on s'arrête non, pas, on s'arrête pas, ils passent devant les Foxtrot là. Let's go. Let's go, on s'arrête pas là. Les autres, ils arrivent là. Pourquoi il nous suit lui là? Ah, c'est Foxtrot. Aucun visuel, chef. Ok, vas-y. Pardon, 6-4 de PC, parlez. 6-4, parlez. Pour information, j'ai deux hommes à vous que je vais vous ramener, ils seront avec Charlie, ils vous rejoindront ensuite sur le camp armé que vous allez attendre. Bien pris. Let's go les gars, hein. Vas-y, décroche, passez là. Ok, vu la prochaine habitation dans la direction de mon bras, KSU, c'est un sacré bon là. KSU ! Hey, dans la direction de mon bras là-bas. Ok, là-bas qu'on va. Ok ? Et on cède des arbres dans la direction de mon bras maintenant là. Juste en face de toi, regarde. À droite, laisse-moi passer devant que tu le vois, mon bras du coup. Juste là. Good pour toi ? Ok, tu me parles ou quoi ? Ah, je sais pas, t'es un peu sonné là, visiblement. Ta cagoule oui, doit oui, te bloquer. Ouais, c'est bon, ok, super. Alright, let's go. Allez, on va. Let's
Let's go, on s'arrête pas là, en tiroir. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tu m'as dit qui est le dernier là, c'était toi ? C'est l'alternatif. Ok, let's go. T'es le dernier, Saka. Yep. Chef, ouais, ouais, ouais. Maison à droite, maison devant. Non, négatif, la maison à droite, maison blanche, simple fenêtre bleue, on la tape celle-là. Ok. Il y a un véhicule derrière, non ? On la tape, ça veut dire on va dessus, hein ! Hé ! Les gars, mais ils vont où ? Vas-y, laisse tomber, ils sont débiles. Toi bleu, j'ai dit, ils sont débiles. Laisse tomber, décroche, 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 on s'en fout de celle-là. Décroche, 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 décroche. Ils sont bourrés, nos potes, là. Ok, qui est le dernier, c'est WAM. J'ai la base en visuel, on est tout proche. Blindé en 65. Négatif, c'est Foxtrot là. Hein. Hey, est-ce que tu regardes, c'est Foxtrot, poulet ? Eh oui. Non, pas toi. Ok, la base, c'est ce qu'on va taper, les gars. Vu. Ok, bah, bien pris. KSU, vu le bâtiment, vu le camion là. Ouais. Mets-toi derrière pour avoir un meilleur vantage point, go. J'y vais. Ok, faut que ça se fasse engager. Ok, quelqu'un prend ma place, please. Je rejoins KS. Go. Go, je suis avec toi. Les gars, pas mal de choses qui me bloquent la vision sur ma droite. Ouais, la même ici, c'est la merde. Je vois rien dans les tours de guet. Rien dans la grande tour principale pour le moment, c'est muet. Un hélico stationné dans la base. C'est trop la merde. Où est-ce qu'ils sont les autres ? Eh les gars ! Dans la direction de mon bras ! On tape directement le sommet de la colline là, pour aller aider nos petits copains là. Ok, KSU, tape la, tape la maison juste devant toi dans, à 11h là. Ok, tu me remplaces, let's go. C'est clear là ? Ouais, la petite maison clear. Clear maison. Let's go, on recolle, on recolle, on recolle. J'espère qu'en montant, on se fera pas tirer dessus depuis la base. Comment veux-tu qu'on attaque cette merde en même temps, là ? On ne veut pas avoir l'appui d'une autre compagnie en même temps. Ah mais négatif, mais là, c'est pas... Là, c'est un char qu'il faut... Et ça m'a l'air bien vide, c'est étrange. Co véhicule, c'est Foxtrot. Afi, derrière, c'est Charlie et Echo. Ok, bien vu. Il y a, je crois qu'il y a une sorte d'avant-poste devant là, de poste de garde ou je sais pas quoi. Je vois des sacs de sable. Ouais, c'est ça. C'est un petit bunker, sac de sable. Est-ce qu'on peut faire un bond vers ça, là ? Grand terrain dégagé, je sais si, pas. Si, juste que, devant que nous, là. On a juste un muret, à la limite. On peut déjà faire un bond 10 mètres en avant, là. Ouais. Ok, ça marche. Vas-y, go. Top. Wouah, on passe droit devant. À terre, celui qui me suit. Je suis derrière toi. Ouais, avancez à terre. Il y a un avant-poste juste droit devant, derrière les bœufs. Ok. Avant-poste, juste devant, à terre, tout le monde.
Du monde dedans? Je sais pas, j'ai pas encore regardé. L'avant-poste semble silencieux. Bah c'est bon, recollez-moi sur le mur en pierre, l'avant-poste est vide. Qu'est-ce que c'est cette base ? Je me relève. Ok, let's go, on s'arrête pas ici, c'est trop la merde. Hein. Ouais. Vu, contact. C'est Charlie, c'est Azimut 230. Je sais pas, ouais, ça tape directement sur la base. Let's go, on va pas avoir. On va même pas pouvoir croquer, les gars. En avant. Je suis à vous, chef. C'est à vous. On fonce ou quoi? Je regarde la haute poste. Ouais, c'est bon. Je vais faire un bond dans la direction de mon bras à 2h. Ok, je cours. Go. Quelqu'un prend place? Je suis là. C'est bon. Venez, venez. Ok, il y a qu'un seul endroit où on peut taper, mais l'autre s'il arrête pas avec son... Et négatif pour le moment, et il y a qu'une seule entrée de toute façon. Ouais. On a l'entrée du camp là, vous voyez. Oui, à 11h, c'est le seul endroit où ça peut rentrer. Let's go. Eh, hey, on peut faire un bond jusqu'au sac de sable en face de moi là. Et après, on fait main courante à droite le long des sacs de sable, justement. Ok, je prends la tête. J'y vais. Go. Je suis. Je suis. Je suis. Ok, let's go, ma courante à droite, let's go. Vas-y, let's go, décroche, décroche. Je prends le bouchon arrière, je prends le bouchon arrière. Je m'en occupe du bouchon arrière, poulet. Je m'en occupe. Ryuk, avance. Let's go les gars, main courante à droite, let's go, suivez-les devant. Ok, on a un véhicule blindé qui va taper dedans là. Faites gaffe. Eh, hey, let's go, on tape derrière. Go. Allez, j'y vais. Allez, on avance. Allez. Attention, à droite c'est ouvert. Devant c'est ouvert. C'est fermé, de côté c'est fermé. Contact à droite. Je suis blessé. Je suis gravement blessé.
cible est sortie. Le KSE, je suis gravement blessé, j'ai un homme à terre, on est dans un petit bâtiment vert à l'entrée du camp. Ok, bien pris, qui est le... c'est qui le médic là? Médic, médic. Eh, ça va derrière là? Mais derrière, en contact. Mais ça va derrière, genre ça va toi quoi? Oui, oui. Eh, hey, let's go là! Tape le bâtiment direct, ma courante à droite, Grumpy, go, 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 go! Viens avec nous le TP! Ouais, ouais, mais ça va, ça va. Ça va. Merde, je suis blessé, je crois. Eh, hey, Grumpy, check moi. Je surveille. Ok, vous avez une petite coupure. Vous avez une petite coupure, je m'occupe de ça. Vas-y, si je suis opérationnel, on continue, on s'en bat les couilles, hein. Je vous mets juste un pansement pour vous, pas que vous videz votre sang. C'est ok, bon ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ah c'est ouais, petite coupure, vider de mon sang carrément, quoi. Ok, ça ouais, marche. Vous étiez en train de saigner. Vous ouais, ça marche, docteur Maboul. Let's go, let's go. Eh, hey, reste là, le TP. Let's go, cool avec moi, cool avec moi. On est ready et opérationnel. Bien pris, nous sommes en train d'avancer pour le moment dans le grand bâtiment gris en face de vous et en face de l'outpost, de là où vous êtes fait tirer. Ne tirez pas, on est juste derrière le bâtiment gris, le grand bâtiment gris. Ok, j'ai une midi. Ok, j'ouvre. Je rentre. Ça a l'air clear. Ok, je prends à droite, à gauche, je garde la ligne dessus. Porte ouverte. Clear. Ok, je reste en retrait. Nous aussi, vous restez en retrait. Vas-y, avance, 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 avance. Ok, j'avance à votre gauche. C'est bien Antoine. Ah, ok. Antoine, tu restes avec eux. Porte fermée à gauche. Ok, j'ai votre droite, j'ai votre droite. Vas-y, ouvre, 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 ouvre. Bon. Ok, porte fermée. Deux, trois portes fermées à ma droite. Ok, garde-les, garde-les, garde-les. Je la tape tout seul. Je garde, je garde, je garde. J'ouvre. Clear. Celle-là, c'est celle qui donne vers l'extérieur. Celle-là, je l'ouvre pour toi, s'il te plaît. Ouais, je prends la ligne. 3, 2, 1, top. Ok, Ras. Les gars, vous voyez le bâtiment blanc là, le bâtiment. Pareil, 3, 2, 1, top. Ok, Ras. Ok. Eh les gars, vous nous entendez? On va ouvrir la porte. On ouvre la porte, friendly. On ouvre, fais gaffe, c'est à face chez nous, c'est à nous. Ah putain. On est à vos 3 heures, ne tirez pas, on est à vos 3 heures. Ouais, vas-y, recolle, recolle. Ok les gars, mettez une smoke sur moi, please. Ça sert à rien de recoller avec eux là. Non, il faut qu'on reste de groupe, je pense, c'est plus simple. Et sinon, on va se faire tirer dessus. Ok, face midi, ça a été fait. Face midi, ça a été checké là-bas. À côté du véhicule. Merci la friend request de Jean Kulki. Un négatif, il y avait contact visiblement en dessous de face midi, en dessous du bâtiment, espèce de préfab blanc là. Ok, j'ai traversé, je vais aller en face, chef. Vas-y, go.
fais un bon TP, reste là. Allez, réveille-toi. Je suis derrière toi. Vas-y, Grumpy. Que j'avance. C'est en face. Vas-y, go, go, go. Ok, faites gaffe, on ouvre. Ok, faites attention, chef. En face de moi, j'ai un bâtiment avec plusieurs fenêtres. On est explosé là, si on décale, okay. Si on ouvre l'angle. On est avec vous, on est avec vous. Vous voulez pas passer par, par derrière là plutôt? Histoire qu'on soit protégé du centre. Regarde. Ouais, y'a quelque chose? Comme tu veux, Grumpy. Bah là on peut y aller, mais si on y va, on envoie une fume au plus loin et puis on y go, va. Go, 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 réfléchis pas, let's go. Ah mec, y'a une fume, les gars. Quand... Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Claude là? Chargeur. Ah, c'est bon, y'a Foxtrot qui a déjà pris tout à gauche là. C'est bon, les gars, vous y êtes. Grumpy, fais ma courante à droite que je puisse voir là. L'autre, il est. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Michel là? Eh, il se fait tirer dessus, il se fait tirer dessus. Contact à 11h visiblement. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Contact à 11h. Tu te mets devant mon canon. Vas-y, s'en bat les couilles. Contact à 11h, Grumpy. Dans l'axe des deux véhicules. Ouais, visuel. Vas-y, let's go, vas-y, on push. Ok. Merde. Fais gaffe à ce putain de bâtiment là. Ouais. Je tire dessus. Ça vient d'où? Négatif, c'est pas du bâtiment. Bien pris. Okay. Traité. Grumpy prêt. Je renvoie la go, go. La il est traité. KSE à 6-4, tu me reçois? KSE 6-4, parlez. Chargeur. Vous avez combien de personnel avec vous? Ok, je prends. Juste avec Grumpy, je suis au niveau, en plein milieu au niveau de l'héliport, à côté du IND. Ok, bien pris. On est le reste de la squad, on est au niveau d'une antenne. On est au niveau d'une antenne, je sais pas si vous voyez, on est sous le feu. Ah, négatif, on n'a pas de contact, on a perdu le contact visuel avec vous, on venait d'être sous le feu au niveau du... au niveau d'un énorme bâtiment gris, terminé. Ouais, j'ai pas d'infos. Ok, c'est bien pris, on est au pied d'un bâtiment camo, perso. On va essayer de prendre position, de prendre un appui en hauteur sur vous et essayer de vous couvrir. Ouais, quoi? Ok. Les gars, notre but, ça va être de choper le bâtiment camo, là. Quoi, c'est quoi, ça? Ça a pété des gens. Eh bien, 6-4, t'en viens. 6-4, parlez. Hey, je peux rien voir là. Allez, écoute. Si vous voulez, on peut faire un bond là sur le sac de sable. Qui est je à 10 mètres. Je me rapproche, j'ai plus aucun visuel. Visuel? Vas-y, go, Grump. Wow, mais il sort d'où lui? Hey, y'a du monde, contact. Ok. Eh, hey, on tape avec vous, c'est vous là? Ouais, c'est nous. Allez. Ok. Let's go, on prend les. Grumpy, regarde les étages. Garde l'étage. Au-dessus de votre tête. Deuxième fenêtre en partant de la droite. Prends, rez-de-chaussée. Reste là, Grump. Attention, 3, 2, 1, ouverture. Okay.
Je suis avec vous les gars. Ok, couloir à droite, team. Couloir à gauche, team. J'avance à gauche. Quelqu'un prend la ligne à droite. On va prendre la pièce à gauche. 6. Grumpy, tu restes tout seul. Je fais main courante à droite là, de l'autre côté. Quelqu'un avec moi là. Attaquez l'unité AC derrière vous. Je m'insère. RS, allez, la porte là, sur ta droite. 6-4 de PC, parlez. On va s'ouvrir à l'intérieur. 6-4, parlez. Nous sommes toujours à l'intérieur de la base militaire. Nous sommes en train d'avancer vers ce qui semblerait être les derniers instants de ce qui restait des Russes dans la base militaire. Plusieurs pax de l'unité sont blessés. J'ai pas encore le nombre exact à l'heure actuelle. Une fois que nous ne serons plus sous le feu, je vous donnerai un site rep plus précis. Terminé. C'est prêt ? Et après, terminé. 3, 2, 1. Ok. À droite, RS. Je rentre. RS, RS. Allez, on termine là. On termine les pièces là. Je veux une équipe à l'étage. Je veux un minimum. Attaquez l'unité AC. Ok. Sacré en haut. Ouais, un blessé en haut, un blessé en haut. Ok, 6-4 de KSE pour 6-4. On a clean le bâtiment camo. On est en train de faire l'étage. Vous pouvez nous rejoindre au sous-sol. À vous. Ok, ok. Waouh. À l'étage, il y avait du monde, hein. Ok, j'ai besoin de quelqu'un avec moi, les gars. Oh, il y a quelqu'un qui passe un bon moment là, quand même. Eh, Ryuk, fais pas ça tout seul. Fais pas ça tout seul, ok. Je suis en dessous. Grumpy, t'as toujours la ligne ? Eh bien, vas-y, c'est quand tu veux. 6-4 à Grumpy, 6-4 à Grumpy, tu me vois ? Droite clear. Gauche clear. Je rentre. Ok, pièce clear. Next one. Et vas-y. Vas-y. Ok, j'ouvre. Ok, à gauche clear. Ok, je rentre. Pièce clear. Il est où, blessé ? Vous le terminez pas, vous le terminez pas le blessé. Non, je vais le soigner. Vous le terminez pas. Non, attends, le relève pas tout de suite, ok ? T'inquiète pas, ne relève pas cette merde là tout de suite, là. Hein. Il va rester au sol un peu, là. Ok. De KSE pour 6-4. 6-4, je suis juste derrière vous, hein. Je suis au pied du bâtiment. Ok, on a un blessé à l'étage, on en fait quoi, chef ? Les gars, mais blessé de qui ? Blessé ennemi, pardon. Comment ça ? Où ça ? Premier étage ? À l'étage, premier étage. J'arrive. Première porte sur la droite quand vous montez les escaliers. Là, ici, chef. J'ai des serflex si jamais. Je peux le soigner. Les gars, vous pouvez aller me rendre compte là. Et les gars, deux secondes là. Qui est dans le truc? Oui. Vous pouvez aller me rendre compte là de ce qui se passe là. On est tous là. Dernière chambre à gauche là. Là, c'est tout bon. Tout let's go. Rendez-moi compte de ce qui se passe dernière chambre à gauche, les amis. Tout clair. Mais c'est tout clair. Le ouais, mais rendez-moi compte. Bah ouais. Let's go, Ryuk. Rendez-moi compte de ce qui se passe dernière porte à gauche. Et les gars, il y avait quoi là dans Ryuk, let's go là. Allez, let's go. Chef, on a de l'intel ici. On a de l'intel, chef. Parfait, il a succombé à ses blessures. Ouais, on s'en doutait, les blessures étaient trop graves, chef. On a de l'intel par ici, par contre. Attendez, laissez passer. Deux véhicules ennemis. 6-4 à PC, 6-4 à PC. Y'a rien, les PC ils sont morts là. Oh putain, sérieusement, un peu de sérieux les mecs. Nous avons récupéré la base militaire. Aucun survivant. Ni prisonnier. Terminé. Les cas, ça sert à rien de rester tous là. On fait un 3-6 dans le bâtiment. Chacun va occuper une pièce, une direction. Faut qu'on soit strong là, la guerre c'est pas fini. Je prends 6-4 à PC. PC, j'écoute. Demandons conduite à tenir. À vous.
Je prends connaissance de l'information auprès du capitaine des Napas et je vous rends compte. Patientez. Chargeur. Ouais, chef, j'ai vu que c'était clair, du coup je me suis permis de revenir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et profitez-en pour faire un check-up de vos munitions, les gars. Ouais. Et 6-4 à toutes les unités de la squad Alpha, 6-4 à toutes les unités de la squad Alpha qui m'entendent. Rassemblement au niveau du gros bâtiment double étage gris camo. Terminé. Qu'est-ce qu'il fait lui à nous viser là? Ok, on s'en fout, on s'en fout. Français, 6-4 parler. Pour information, je viens d'avoir le capitaine Napa en radio. Ils n'ont pas réussi à prendre l'aéroport et vous avez des unités ennemies qui descendent sur le camp pour aider les personnes qu'apparemment vous avez éliminées. Donc attention à vous et préparez-vous à une attaque de leur part. Bien pris, terminé. Ok, et rasso sur moi là. Vas-y, il y a trop de fenêtres dans cette merde là. Ok, du coup, qui est... On a perdu du monde, là? Négatif. Non, je pense que tout le monde est là. On a perdu quelques soldats, mais... Comme... Ouais, c'est vrai. Tu peux attendre un peu pour me sucer, toi, ou quoi? Non, je vous soigne. Ah bah, tu... Tu vas... Tu es direct. Tu vas pas avec le dos de la cuillère, là? Tu peux me demander, ouais. Non? Non. Ah non, c'est comme ça, là. Là, j'ai envie de vous parler, etc. Tu me soignes, tu me mets des grands coups dans la gueule, si quoi. Si on vous perd, on est mort, de toute façon, là. Hein? Si on vous perd, on est mort. Pourquoi? Ah, décidément, t'as vraiment envie de me sucer dans tous les sens non. Du terme, toi, hein. Littéralement, et... Ok. Bon, du coup, sur ce, bravo, félicitations pour votre courage exemplaire, mais on va pas pouvoir justement se tripoter la bite trop longtemps. Comme vous l'entendez, visiblement, les personnes à qui on a pris cette base, sont pas vraiment très contents et ça va nous taper dessus d'un moment à l'autre. Ce que je pense, sûreté sur 360, Grumpy, tu t'assures de que chacun prenne un azimut et garde son azimut. Pas la peine de sortir, je pense. On va rester au niveau de ce bâtiment. On laissera la compagnie Foxtrot et Alpha à la limite à l'extérieur, ok? On a bien mérité le fait de se garder ce bâtiment-là pour nous. C'est bon pour tout le monde? Bien pris. Reçu. Let's go, Grumpy, je te laisse faire le tour. Reçu. Ok, il faut un pack au fond à gauche, tout au fond à gauche. De KSE, je veux. Ok, il faut un pack sur chaque porte. Là, il faut... ok? En position. En position. C'est quoi ce bordel là? Sors-moi ton compas. Oui, c'est bon. Ça sera retiré. Ton azimut, toi, ce que tu dois... checker, c'est 260 jusqu'à 350, enfin 310 plutôt. Ok. Visuel? Oui. Ok. Ok, toi, ton... C'est qui là? Qui est là? Keizu. Ouais. Wow! Ouais, vas-y, c'est bon. Ok, pour toi, ton champ de vision, c'est 140. 187. Ok, c'est bien, Ryuk. Ok, Ryuk. User left your channel. Ton champ de vision. 70, 125. Ok, visuel. Ok, c'est qui ici? Biggie, sors-moi ton compas. Figé. J'ai. Ton champ de vision de surveillance, c'est 250-350. Reçu? Pardon, 6-4, laissez parler. 6-4, parler.
Nous venons de faire passer un drone au-dessus de vous et aux alentours. Pour information, on vient de voir un hélicoptère qui venait de décoller et qui se dirige vers vous. Et apparemment, il y aurait également des tirs de mortier qui se dirigent sur votre base. Attention à vous. Ok. Ok, mortier, hey, les gars. Ouais. Hey, juste deux secondes, à ceux qui m'entendent, relayez l'information. Tir de mortier plus hélicoptère attendu. Tir de mortier plus hélicoptère attendu. Chef, j'ai un hélico qui décolle devant nous. Ok, Antoine, sors-moi ton compas. Sors-moi ton compas. Oui. Ouais, vu l'hélicoptère, in 2D. Direction azimut 260, ça vient, il vient nous taper directement dessus, lui. J'ai pas de compas, moi. J'ai pas de compas. Un compas, le compas, c'est ton ta boussole, fils de pute. Ah ouais, c'est bon. Boussole, j'ai pas de compas, l'autre il a cru qu'on allait décider des bits. Putain, qu'est-ce qu'il est con, lui. Je vous écoute. Azimut 270, il y a une centaine de personnes qui courent vers nous. Centaine ? Centaine ? Ok, c'est qui là ? Ok, Sweezy, toi, ton champ de vision. Ils nous ont envoyé toute la tuerie. Sors-moi ton compas, ton champ d'observation, 40. Ils sont pas que 100, ta limite pense. Gauche 40, ta limite droite 100. On sait jamais. Ok. Ah non, nom de Dieu, ouais, il dit. Ok, c'est qui là ? TP. Direction 270, il y a au moins 15-20 pax. 400-500 mètres. Ta limite gauche d'observation 280, ta limite droite 330. Reçu ? La fille, reçu. Ok. Ça court beaucoup là. Ok, chef, c'est bon pour moi, j'ai donné. Champ d'observation en tout cas. Nom de Dieu. Ok, bien pris, Grumpy. Parfait. Y'a plus qu'à tenir. Hé hey, faites gaffe à vos munes, hein. Ils vont nous envoyer toute l'armée turque là. Checkez vos munes. Faites un contrôle PAM, les gars. Faites un contrôle PAM. Ouais, c'est ça, l'armée de l'air. Faites le revoir ce qu'il n'est pas trop. Eh, laisse tomber. Eh, laissez le TP, hein, dessus. Ça sert à rien s'il nous retombe dessus, là. Ça sert à rien. Économisez les cartouches. Siska, t'as PC. PC à l'écoute. Sommes prises à partie par l'hélicoptère plus multiple packs, environ une trentaine de packs. Nous sommes toujours en plein centre de la base militaire. Terminé. C'est bien pris, je vous fais décoller un rafale par rapport à l'hélicoptère. Terminé. Gaspillez pas les munes! C'est quoi ça? C'est toi qui tire? Négatif. Encore un putain de drone. Laisse, y'a un rafale qui arrive. Nickel. Forcément, faut les demander pour qu'ils se bougent le cul, les mecs. Incoming!
de PC parler. 6-4 parler. Hélicoptère pété, hélicoptère pété. Oh la vache. Bien pris, terminé. Hélicoptère traité, c'est bon. Toujours clear à l'est. Parler. Est-ce que vous souhaitez un appui? Le Rafa peut faire un passage sur les packs ennemis. Il les a vus en passant, en détruisant l'hélicoptère. Qu'il se fasse plaisir, s'il est absolument pas sûr que c'est de chez nous. On a pas mal de... Il y a pas mal de friendly dans la base. Terminé. Ok, bien pris. Attention au passage rafale. Passage rafale. Ben négatif, t'as cru quoi là? Franchement, vous savez s'ils ont de la bombe guidée, mon rafale? T'as cru que j'étais Wikipédia, enculé, ou quoi? Non, vous avez contacté le QG, je pensais que... Vous savez s'ils ont de la bombe guidée, le rafale? Non mais c'est quoi? Ouais, c'est... Ça nous arrache, hein. Économisez les munes! Ça passe plus très loin. Ah négatif. Eh, on va peut-être y passer la nuit là. User left your channel. User joined your channel. Hey, le TP là, t'es en train de te faire plaise ou? Bah. J'ai mis 3 ou 4. Hein? J'ai mis 3 ou 4. Possible d'avoir la distance exacte? Possible d'avoir la distance exacte? Oui, oui, bah oui, tiens, je te donne la distance exacte. Et l'autre, tu veux du coup la marque ou le code barre sur les missiles, fils de pute? Tu veux aussi la vitesse? J'ai un désignateur laser. Oh là là, excuse-nous, Mark Wahlberg, hein. Parler. Pour information, le rafale est bien passé et il y a eu plusieurs packs ennemis. Vous devriez vous retrouver un peu mieux au niveau nombre adversé vous-même. Terminé. Bien pris, effectivement, c'est un tout petit peu moins la tempête à l'extérieur là. Terminé. Ok, il y en a toujours qui bougent là. Direction Azimut 260 pour toi, le TP. Ok, les yeux. Vraiment là.
270, c'est un mec qui nous vise. Ouais, vu. Abattu, je crois. Abattu. Chargeur. Toujours clear à l'est. Que je prends. Plus que 3 chargeurs. J'ai rien de côté non plus. Sergent de PC de parler. Il y a un mec de 6-4 parler. À droite du panneau. Sommes toujours au milieu de la base militaire en 161-170 au. On a toujours de façon éparse encore quelques tirs. Visiblement, l'armée. En tout cas, l'offensive, la contre-offensive ennemie est en retrait. Et je ne pense pas qu'ils continueront leur contre-offensive pour aujourd'hui. À vous. Bien pris. Waouh! Oh putain! Oh, y'en a, il s'est fait arracher! Ouais. Ouais, le 1270 SHKHM. Ça, c'est bon. Y'a pas un mec 288 dans le buisson? Y'a un mec 280? 280, je crois qu'il a battu. 288, il est blessé. Voici. PC. Sergent de PC, parler. 6-4, parler. Oh, tiens. Si ça bouge, ça bouge, il sort du buisson. On va vous mettre une smoke, on va vous envoyer un hélicoptère de transport de troupes pour venir vous chercher. Parler. 6-4, répétez. Nous allons vous envoyer un hélicoptère de troupes qui va venir vous chercher, besoin du smoke pour lui utiliser la zone. Terminé. Il est traité lui, non? TP, je pense. Abandonné chargeur. Bien pris, terminé. Ok, et j'ai besoin d'une smoke à, Bougez pas. Ok, qui a une smoke là? Smoke blanche, le KSE. Ok, dans le 230 à 60 mètres, il y a un endroit au cul du véhicule de transport de troupes là, qui a pas été touché là, de 4 roues là. Ouais. À 30 mètres, tu me balances la smoke ici pour notre. Ouais, pour notre évacuation, ils vont venir nous chercher en hélico. Ok, j'ai une smoke green. Vas-y, envoie. J'envoie. Smoke envoyé. Parfait. 6-4 APC, 6-4 APC. PC, j'ai pas de parler. On a envoyé une smoke verte sur place. Terminé. Bien pris. À l'autre de PC, parler. C'est clear tout le monde? Affi. Affi. Écoute. On a blessé 288. J'ai pris votre smoke sera verte, smoke verte pour un. Refais péter une smoke là. Ouais, bien entendu. Si elle est verte, bien sûr. Négatif, elle est blanche. Ok, quelqu'un a une autre smoke? Moi j'ai une blanche. Affi, j'en ai une verte. Vas-y, go.
Direction 230, azimut 230 au cul du camion là-bas, là où tu vois que tu on peut faire poser un hélico. Oui. Bisous sur l'hélico. Nickel, il va l'apprendre, parfait pour lui. Chat, comment on règle ça? J'appuie sur K, ça fait rien. Là. Chat. Parce que j'ai dû mettre les binoculars à plus de deux fois sur K. Pas tellement ça. Ok, tout le monde! Sur quoi il tire là? Allez, let's go, on sort. Eh, rasso tout le monde, on sort. Oh, eh, Grumpy. Grumpy. Eh, Grumpy. Ah merde. Eh, tout le monde, rasso, on sort. Let's go! Ah, j'avais coupé le micro. Eh, remets-lui une smoke là, l'autre il est con comme une bite là! Tu l'as mis où la smoke là? Ok, bien vu. Waouh, 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 il est bourré, il est totalement bourré. Oh, c'est chaud. Eh, merci les Lus Marius pour les deux mois. Eh les gars, c'est pas souvent que je fais du RP, donc n'hésitez pas à me dire si vous faites chier ou si vous passez un bon moment, honnêtement. Que je sache si je dois arrêter ça tout de suite ou pas. Impossible d'atterrir sur zone, on a un trop gros hélicoptère sur par rapport au. Ah bah cool hein, on a pas bien texte. Au lampadaire, on risque de les toucher. On peut se poser à l'extérieur de la base. What? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non mais ce fils de pute vient d'envoyer au capitaine. Désolé, désolé, il y a des lampadaires, on peut pas se poser, mon hélico est trop gros. 6-4, parlez. La LAD vient de me signaler qu'il va falloir que vous alliez à l'extérieur de la base pour pouvoir prendre l'hélicoptère. Parlez. Ouais, 6-4, bien pris. Terminé. Ok, let's go, faut bouger à l'extérieur. On vient par là où on est venu. Grumpy, tu lead the way. Reçu, reçu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, en colonne là. Ok, les gars, en colonne, en colonne. On se tourne par là où on est arrivé. Vas-y. Non. Comment? On ne tue pas? Ah bah vas-y, je vais. Oh, il y a des lampadaires. Let's go, let's go, let's go, on s'en fout, c'est bon. Et l'autre il a l'intégralité d'un champ pour se poser, ça va aller l'autre. Ouais. Là on est bien, on est bien. Ouais. Tu vas voir qu'il va aller se poser à l'intérieur maintenant, ce trou du cul. Ah, tu devais pas trouver la smoke verte. C'est une smoke blanche. Ouais, mais j'ai que ça. Il la voit, c'est bon. 6-4 APC, 6-4 APC. Avons posé une smoke blanche à l'extérieur de la base militaire pour le pilote de la terminale.
Baissez-vous, nom de Dieu! Attention aux lampadaires, hein. Putain, je sais pas quel est l'idiot qui a fait cette phobe, mais ça rend... Allez, let's go. Bien pris, on arrive terminé. Il vole l'hélico ? Ouais, c'est pas vrai. C'est pas faux. Il vole l'hélico. Oui. Bravo, félicitations. Ouais, putain, les gars. Il vole l'hélico. Oh là la vache. La technologie de nos jours avec les supraconducteurs, c'est incroyable. Incroyable. Putain. Faites gaffe aux jambes là. C'est pas mettre un pied devant l'autre. Ouais, je viens de tomber. Bah non, c'est pas par là. Non, hein, c'est tellement m'a foutu, le débile qui a fait cette base. Comment ça? C'est vraiment débile. Et voilà, et l'autre, regardez. Il est encore en train de regarder, là. Eh, hey, Roméo. Oh, qui dis-moi qui est la plus belle. Attendez, qui t'es blessé? Maître Corbeau. Pardon. Ah, ok. Eh, hey, il a dit. Bouge pas, je m'occupe. Là, vous voulez tous les gars? Oh, mon quoi, capitaine, vous êtes là! Vous voulez tous les. Vous avez pris du grade depuis tout à l'heure. Vous êtes carrément passé colonel, hein? Pardon? Je sais plus comment vous appelez, mon lieutenant, mon colonel, mon capitaine, on n'a jamais vu une ascension aussi rapide. C'est pas possible. Excusez-moi. Mon capitaine. C'est quoi ça, vous, c'est division, putain. C'est pas frérot. Ouais, il y a que moi du coup. T'es sérieux toi? Non, tout le monde. Ah bah il a dit tout le monde.
Tu peux éviter de... Qu'est-ce que tu fais avec... Je crois que c'est colonel. Ok. Allez, let's go. Allez, rentrez. Let's go, allez. Si, carrément, tous les T-majors en un seul homme. Tu viens, Lampaderman, ou... C'est marrant ça de me mettre la porte dans la gueule ça. Ouais mon capitaine. Mon général. Mon colonel, mon lieutenant, je ne sais plus. C'est bizarre le gars là quand même. Vous venez de perdre des... Son grade, c'est comme le cours de la crypto. Bon, du coup, sergent. Oui. Comment s'est passée cette mission? Très bien. Ah, ça, on fait des burpees. User in your channel timed out. Tout à fait, il faut entretenir son corps, hein, sergent. Ok, et 1 et 2. Et 3 et 4. Ok. Non, c'était... Ok, très bien. Impeccable. D'accord, donc du coup, vous avez réussi à tenir le camp armé des Russes. Et donc du coup, les NAPA et l'armée française... User entered your channel. Bon, ils ont toujours pas réussi à reprendre leur aéroport, par contre. Ça, toujours pas. Donc je pense que la prochaine fois, ils vont sûrement nous demander de les aider pour le reprendre, donc on ira les aider. Oh bah écoutez, nous on sera toujours là, hein, mon lieutenant-colonel capitaine. Juste capitaine, chef. Je vais les... Voilà. Les hommes, comment ça a été aussi? Très bien, mon lieutenant-capitaine, chef, commandant. Très bien, mon général. Et vous pensez... Merci Bronchi pour le fait d'être un nouvel étudiant, t'es un monstre. Merci Lélus Marius pour les 2 mois, vous êtes des monstres les amis. Vraiment, ça me fait plaisir. Je suis désespéré. Oh, il doit courir 10 tours de terrain. C'était là. Donc ouais, lui. L'homme au dab. Donc du coup, oui, sergent, vos hommes, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est bien passé. Eh bien, parfait. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, c'est une fin de mission pour aujourd'hui, réfectoire, etc. Et je compte sur vous, sur votre compte rendu, pour qui a fait caca sur ma couchette. Ah oui, je n'y manquerai pas, mon capitaine. Et j'attends mon rapport demain. Je n'y manquerai pas. Non, franchement, je trouve ça puéril, irresponsable. Et je trouverai le coupable. Très bien, parfait. Je crois que c'est M. Lampadaire. Vous êtes sûr que c'est pas la latte? Excusez-nous pour la latte. Hein. On va passer tous les jours pour eux, hein, sergent. Ok. Et puis, repos pour tout le monde. Bonne fin de journée. Et mangez bien à la cantine. Aujourd'hui, merci, chef. Ravioli. Allez. Merci, chef. Parfait mon lieutenant, merci. Let's go, vous avez entendu le lieutenant. Allez, QL pour tout le monde. On repasse direction le dépôt. Vous laissez vos armes. Comme d'habitude, un petit coup d'huile, un petit coup de machin là, parce que en plus toute la journée vous avez bien tiré comme des enculés et j'ai pas envie que ce soit toujours les mêmes qui scoltinent le nettoyage. Ensuite, une fois que ça c'est fait, douche, machin, à 19:00, réfectoire, et après, quartier libre à partir de 20h. Bien pris. Reçu, chef. En avant. Reçu. Prême sur les raviolis. Bah, tu vas pas aller bien, vas-y. Je suis mort. J'en peux plus, putain. Oh, le craquage. J'en ai marre.
Channel switched. Vas-y, j'ai tué personne là. User joined your channel. Bon, ladies and gentlemen, tu sens la pression qui retombe, grave. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon, User disconnected from your channel. Attends, je vais enlever ça parce que c'est vraiment relou, pourtant j'avais enlevé tous les sons, mais c'est relou. Du coup, ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment, si ce genre de truc là vous dit... Eh ben, on continuera, hein, pourquoi pas. Le serveur marche déjà. Donc, merci vraiment à Pixel qui a tout fait. Il y a sûrement d'autres personnes qui l'ont aidé pour le coup, mais qui a fait beaucoup, puisque, bah, comme je vous l'ai dit, moi, jusqu'à 5h du mat', j'étais sur le fait de mettre un truc propre sur le PC du le serveur de la SA. Et maintenant, au moins, on a un vrai serveur SA, du coup, qui est... hébergé physiquement juste derrière moi, donc on pourra mettre en place ce genre de truc là sans avoir besoin là de se dire nitrado, pas nitrado, nanana, je sais pas quoi. Et comme vous voyez en plus, bon bah évidemment le truc il est chez moi, donc 6 de ping, mais pour le coup il a bien tenu quoi, parce que là il y avait quand même pas mal de trucs à mon avis qu'ils ont balancé. Et ça tenait pas mal, j'ai pas eu de drop de FPS qui était visible pour le coup. Du coup, ça va être tout. Magnifique ce RP. Bah écoutez, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait... C'est marrant. C'est genre marrant. En tout cas, ça me correspond forcément plus ce genre de RP que GTA. Donc, si ça vous dit, pourquoi pas. On continuera. Hein, voilà. C'était très cool. Arrête de critiquer ma phob. Elle est dégueulasse pour le coup. Voilà, on rajoutera d'autres trucs au fur et à mesure, pourquoi pas. L'idée, ça pourrait être de... Le top du projet, ce serait d'avoir un serveur persistant, sur lequel il y a des missions à faire tous les jours, qui permettrait, pourquoi pas, d'avoir, comme ça vous le savez, d'avoir quelque chose, de l'expérience... Et du coup, de la possibilité de passer des grades et ou pourquoi pas un système de monétaire. Une sorte de quelque chose qui permettrait aux gens d'être rétribués. Pour pouvoir gagner ça, il faudrait faire des missions. Du coup, il y aurait tout un tas de missions qui seraient disponibles sur la carte. Donc les gens arrivent, se connectent à 2-3 personnes, vont faire une mission, etc. Rapporte ce qui doit être rapporté, exécute la mission, et une fois que la mission est exécutée, du coup, ils ont quelque chose, une gratification. Et puis, à la fin de la journée, du coup, ou en tout cas, quand je lance le live, après, s'il y a d'autres streamers qui le font, on fait une mission qui est un peu plus comme celle-là, donc qui est une mission full custom, qui n'est pas une mission toute faite, mais qui est bien une mission, pour le coup, faite à la main, quoi, artisanale. Et là, pour le coup, tout le monde est obligé un peu d'y participer, quoi. Voilà. Donc, on y pense, et voilà. Et c'est peut-être ce qu'on va mettre en place, parce que là, à l'heure actuelle, je pense que le serveur, il a tenu à 32, je pense qu'il peut tenir au double assez facilement, voire même jusqu'à une centaine de joueurs, quoi. Hein, voilà, parce que c'est vraiment un PC qui est dédié pour le coup pour ça quoi. Hein. C'est vrai aussi que j'ai Arma 3, mais ça date, donc il y a possibilité même débutant. Oui, le but du jeu, comme je vous l'ai dit, nous ça va être simple, même si ça casse un peu le délire. Moi, le but du jeu, c'est pas de faire du mid-sim 100%. J'aime bien le mid-sim, je trouve ça. Je respecte toutes les personnes qui font du mid-sim et qui kiffent le mid-sim. Mais il y a toujours les avantages et les inconvénients de cet extrême, puisque c'est un extrême, c'est que c'est un peu la voie royale, si je puis dire, dans le jeu vidéo et dans certains trucs. Néanmoins, c'est un certain élitisme, c'est assez fermé, et ça apporte pas forcément le meilleur du meilleur en termes de ce que moi je recherche, en tout cas. Donc là, le but du jeu, c'est le mid-sim version Hollywood 2005, quoi. Ok, voilà, c'est ce genre de truc. Donc, qui n'est pas vraiment tout à fait de la simulation militaire.
Autrement, voilà. Autrement, si on voulait vraiment faire du milsim, il faut soit prendre des personnes qui ont un vrai background militaire, soit clairement leur demander de potasser un petit peu et de lire un peu de documents, etc., etc., pour se renseigner comment est-ce qu'on répond à la radio, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, la compréhension des ordres, comment est-ce que ça se passe les ordres, etc. Ça peut pas être... C'est un protocole à respecter, quoi. Et ça, c'est, d'un côté, c'est sympa et c'est sexy. De l'autre côté, c'est un peu chiant aussi. En tout cas, moi, j'ai pas envie de partir dans ce sens-là. Je le respecte, mais c'est pas mon délire. En tout cas, c'est plus mon délire. Voilà. Fiscat à 2h du matin. Eh ouais. Ouais. Tu commences un arc Arma 3. Pourquoi pas ? Voilà, le but du jeu, justement, c'est un petit peu ça. Et vous l'avez compris, du coup, sur le lore qui a été installé, c'est une île grecque sur laquelle la Grèce, c'est, l'île, elle existe vraiment, pour le coup, réelle. Elle existe, du coup, l'Exmos, là, elle est à mi-chemin entre la Turquie et entre la Turquie et la Grèce. En fait, elle est plus proche de la Turquie que de la Grèce, même si elle est grecque. Du coup, l'idée de dire bon, la Russie met la pression à la Turquie pour venir mettre une vieille base de missiles ou un truc anti-missile, c'est pas si déconnant que ça, quoi. C'est un peu ce qu'ils ont voulu faire, ou en tout cas ce qu'ils ont prétendu quand ils ont pris la Crimée, par exemple. Ouais. Ils bouffent en perf le jeu quand même. Ouais. Bah là, j'avoue que sur le nouveau PC de... Avec le serveur, il tourne bien. Et c'est pas le jeu le mieux optimisé du monde, quoi. Ça, c'est clair. Mais moi, ça allait. Hein, après, bon, le PC, il est tout neuf, donc voilà. Mais je tournais à 120-140 FPS en full ultra. Et voilà. Moi, Gigo, je bosse demain. Merci pour cette mission. Il n'y a pas des mods qui optimisent ça. Je sais pas, pour le coup. Je pense que faudra en parler. Moi aussi, j'aimerais le top du top d'un point de vue, comment dire, visuel. J'aimerais qu'on mette des mods qui permettraient d'arriver à oublier qu'on est sur un jeu de 2013, quand même. Ça, ce serait vraiment, vraiment le top, quoi. Mais vu l'optimisation du jeu, je suis pas sûr que ce soit possible de le faire sans que ce soit trop chargé, quoi. Voilà. Mode qui améliore le visuel, j'en ai 6. Ah bah ça, ce serait cool, quoi. En plus, là, on a mis masse unité, donc c'est cool si ça tourne bien, car pour les petites missions, ce sera cool. Ouais, franchement, c'est pour ceux qui veulent voir Altis en vrai, voilà les coordonnées, 39. Ouais, vous tapez juste Lemnos, Grèce. Voilà. Je crois que c'est Lemnos, on a vu. Donc l'idée, c'est ça. Et surtout, l'idée, c'est de dire, nous sommes des mercenaires. Et de pas rentrer justement dans une logique de force spéciale française ou tel régiment de France. Parce qu'on sait que derrière, du coup, une fois que tu es dedans, une fois que tu as mis ce background-là, hein, une fois que tu as décidé que c'était ça, bah, il faut s'y coller, quoi. Hein. Et du coup, il y aura toujours des trucs qui ne vont pas, quoi. Soit tu vas partir dans du français, full français, et donc dans ce cas-là, dans tes techniques de déplacement, de machin, de trucs, les gens ils vont se dire conventionnel ce que vous êtes en train de faire là, ou la façon de répondre à la radio, ou ceci, ou cela, ou là, ce genre d'équipement, en vrai on l'utiliserait pas ce genre d'équipement, c'est pas un genre, ça fait pas partie de la liste des équipements que même des régiments de combat utiliseraient, et donc ça rajoute un cadre, et ce cadre il est souvent très strict, quoi, et plus on est milsim, plus ce cadre est strict, et moi ce que je veux c'est pas du tout de cadre strict. Donc le mieux du coup c'est d'imaginer plutôt des mercenaires, et pour le coup c'est pas débile, hein. À l'heure actuelle c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Demain si vous avez envie de partir en Ukraine, je grossis un peu le trait mais vous pouvez le faire en fait. C'est pas si difficile d'aller rejoindre à l'heure actuelle avec la pléthore de réseaux sociaux. Il y a 2-3 groupes qui sont des groupes de combat qui se sont un peu formés, dont un qui s'est un peu formé sur Facebook réellement. Et du coup, deux mecs qui sont partis en Ukraine parce qu'ils avaient un peu envie d'en découdre, quoi. Bon, certains pour quitter leur propre pays parce qu'ils avaient la police au cul. Et d'autres parce qu'ils avaient un peu envie d'en découdre, quoi. Il y a des anciens youtubeurs. Il y a un ancien youtubeur américain. Un ancien Navy Seals aussi américain. Là. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. Ça ne vous parle pas. Moi, ça m'intéresse vachement. Donc, j'avais pas mal regardé. Mais bon, des gars qui sont un peu partis. Ils n'ont pas vraiment le patch américain, ni le patch français, ni le patch machin. Voilà, quoi.
Ouais, de ouf. Donc, il y en a des groupes de mercenaires. Même si stricto sensu, un mercenaire, on a dans l'idée du mercenaire le mec qui est là où est l'argent. Donc, on le paye pour intervenir. Certains ne sont absolument pas payés, quoi. Hein. Vraiment. Ils y vont parce qu'ils y vont. Voilà. Une espèce de légion étrangère. Ouais, mais la légion étrangère, elle est quand même sous coupe française. C'est très... attention. Au final, la légion étrangère, le seul truc qui est bordélique, c'est juste que tout le monde... que les gens parlent très mal français, quoi. Parce que ça vient de partout. Et qu'on ne demande pas le background des gens. Mais ça reste quand même un régiment français qui doit s'adapter à la limite gauche et la limite droite de l'armée française. Alors que là, mercenaires... Là, si demain tu décides de partir en Ukraine en disant « je vais aller aider les Ukrainiens », bah tu t'habilles un peu comme tu veux, tu vas mettre le matos que tu veux et là-bas tu vas rejoindre peut-être une petite unité composée d'anciens Navy Seals qui se faisaient un peu chier. Deux mecs, on sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Voilà. Big up à Franck et Looping. La preuve, t'as tué un Russe blessé, RIP, les conventions MDR. Mais c'était ça l'idée aussi. De ne pas rester dans un cadre et d'avoir ce côté-là. Hein. T'as dû poncer les vidéos de Xavier Tittleman. Alright. Ladies and gentlemen, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que vous avez passé en tout cas une bonne et agréable soirée. On va continuer, on va faire un débrief et tout. Moi, il faut que j'aille dormir un moment. Bonne soirée tout le monde. Je vous laisse. Je disparais. Je vais envoyer bien évidemment le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière, comme à mon habitude, même s'il est tard. À savoir, vous le savez, comme d'habitude, les donateurs, les cheerers, les hosts, les membres du Salty Fan Club et du nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Si ça a bien envie d'envoyer la liste, parce que visiblement ça n'a pas du tout envie d'envoyer la liste. Face the pute. Il va pas. Eh ben, il n'y aura pas de nom de personnes qui ont participé à ce live de 9h30. Allez tous vous faire foutre. Il n'y a personne, il n'y a pas eu de sub, il n'y a pas eu de surveillant, il n'y a pas eu de viewer, il y a eu son père, ok? Voilà. Bon, bah imaginez toute une liste là qui défile avec tous les gens incroyables de la journée. Ok? Vous la voyez la liste? Elle est juste là. Amazing. J'adore appuyer sur ces boutons qui ne servent à rien. Bref, bonne soirée tout le monde. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord. C'est là que la fête continue sur le campus. Surtout si vous êtes intéressé par le truc armoire. Si vous voulez qu'on continue, pourquoi pas. Moi, plus il y a de... S'il y a des viewers, s'il y a de l'envie, j'irai. Autrement, bah, j'irai pas. Ok. Bonne soirée tout le monde. À demain sur le campus de la Salty Academy. Et d'ici à demain, n'oubliez pas qu'on est soldi, oui. Mais pas que. Amélioré de fou et c'est trop bien. Continue comme ça.